J'espère que vous allez bien. On est de retour. On est pile 21h. Petite intro pixel perfect.
Et la finale de la LEC qui s'est finie pile à temps pour que ce live exceptionnel nous mette très bien. Est-ce que vous aimez les sprites des Pokémon, mesdames et messieurs? J'espère, hein. Franchement, ils sont pixel perfect. Alors, j'ai vu sur Twitter quelqu'un dire comment c'est possible que des Pokémon soient aussi moches, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois aucun problème dans la team. Il n'y a que des cracks. Entre Libérax, Krustos, Vassilise, avec le Z, hein, vous avez vu, petit jeu de mots que je me permets. Tatou, non mais le... Voilà, Tatou qui est... Bon, Tatou qui allait à la salle, mais bon, du coup, il n'y a que son nez qui est musclé. Migagron, Hector, vous connaissez, ils ont tous des items pixel perfect. Enfin, bon, on va dire que c'est ce que j'avais de mieux. En vrai, Krustos, vous aimez pas Krustos? Franchement, il est stylé, non? Franchement, vous critiquez de fou, mais ça va. En plus, hier, DFG, alors, on m'a dit DFG a gagné la ligue, moi j'étais pas là hier soir. J'étais pas dispo, j'espère que c'était bien en tout cas. Mais apparemment, DFG a réussi à gagner l'event hier de Onutrem. Donc nice, ça fait plaisir. Je l'avais un petit peu aidé en off, donc j'espérais qu'il win, quoi. Merci Salade Tomate Oignon pour les 2 ans. DFG qui a apparemment gagné, voilà, j'ai eu des retours sympas, ça fait plaisir, franchement, respect à lui. Ça fait plaisir. En plus, il a battu Fildrong, donc il est clairement meilleur que Fildrong, c'est prouvé. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les Pokémon, nous avons, on rappelle pour le principe, hein, que ceux qui ne connaissent pas, Infinite Fusion, c'est le jeu en plus dur avec des Pokémon fusionnés. Nous avons Libérax, la fusion de Libégon et Pyrax, type insecte poison, avec la nature timide que nous avons eue au hasard, et Lévitation, et Quiver Dance, Earth Power, Bug Buzz, Dragon Pulse. Voilà, bon, si ce Pokémon meurt, je FF. Ensuite, nous avons Krustos, qui lui a Exuviation, avec Aurora Beam, Psycho et Surf. On est sur un crack. Alors, je lui ai mis la Quick Claw, c'est de la merde. Quick Claw sur ce Pokémon, ça n'a aucun intérêt. Soit tu fais Shell Smash en priorité et t'as pas envie. Soit tu tapes en priorité une attaque, mais t'es déjà à plus de... Donc, il faut que je lui enlève l'item, c'est de la merde. Nous avons Vassilise, avec du coup un... Un set un peu bizarre. Normal plante. En fait, ce Pokémon, je sais même pas trop quoi en penser. Il est sympa. Il a download avec 161 d'attaque spéciale. Un nouveau skin que je trouve magnifique. Magico, Tri-Attack, Energy Ball et Discharge. Bon, lui, je sais pas trop quoi en penser. À la fois, il est peut-être fort, à la fois, on sait pas trop. Mais en même temps, il est vivant. C'est le plus important. Respect à lui, parce qu'on rappelle, hein, on n'oubliera pas, hein, tous les Pokémon qui sont morts au combat. On ira leur rendre un petit hommage avant le live. D'ailleurs, GG à Axior, hein, qui a fait top 4 aujourd'hui au régional de Borkum. En Allemagne, respect à lui. Respect à lui, grande perf. On a Tatou, mesdames et messieurs, la fusion de Tarinorm et Mewtwo. Personne ne pensait qu'il pourrait être stylé. Eh bien si, il l'est. Il a la nature... une nature plus attaque spé, moins speed, c'est pas ouf, étant donné qu'il était déjà un peu lent. Mais il a Sturdy, mesdames et messieurs. Psycho, Discharge, Power Gem, Earth Power, quand t'es Psycho. Alors, il a pas de move pool type acier, c'est un peu le souci. C'est que malheureusement, c'est compliqué, et sans apprendre le Minokélon par CT, t'as pas grand chose, quoi. Donc on va essayer de faire avec, on a la Twisted Spoon. Ensuite, on a Migagron, le plus vieux de la team, le vétéran qui était là il y a au moins 4 lives. C'est peut-être le Pokémon le plus vieux de la team, mais c'est un Pokémon qui n'a pratiquement jamais rien fait. Et pourtant, il est niveau 64, hein. Niveau 64, donc on espère qu'il va nous faire des perfs. Pour le coup, il est très beau, je trouve. Et nous avons Hector qui a été diffamé sur Discord comme étant une honte absolue au niveau du design. Moi, je le trouve très beau. Voilà, je le retrouve très beau. Je le trouve très beau. Je trouve que je vois pas ce que vous voulez dire. De type évidemment spectre électrique. Alors, bon, il n'est pas aussi fort que l'était Ectoli, bien sûr. Hein, mais bon, personne n'est né à la hauteur de Ectoli, qui était un grand joueur, un grand membre de notre équipe. Mesdames et messieurs, la ligue. Bon, je me suis absolument rien spoil, je sais pas si c'est dur ou pas. Je sais que normalement avec le no-niveau, on est censé s'en sortir, mais ça doit être tendu. Je sais que le Pokémon le plus haut niveau de la ligue, j'ai aucun Pokémon de ce niveau-là, quoi. Merci la mouf
t'as laissé fly. Mais j'avais rien d'autre. J'ai regardé. Alors à moins que c'était sympa sur lui, mais je crois que j'ai rien. À la limite, T-Wave, c'est toujours mieux que fly, tu me diras. Ou feu follet. Peut-être que feu follet, c'est mieux. En vrai, ça baisse l'attaque. Toujours bien. Bah, j'ai déjà T-Wave. Ouais, c'est toujours mieux que vol, hein, je pense. De toute façon, maintenant, on n'a plus besoin de voler. Alors, est-ce qu'on fera Johto? Parce qu'en vrai, Johto est déjà disponible. Peut-être. On va aller regarder, mesdames et messieurs, quand même, qui nous a quittés dans ce jeu merveilleux. Qui aurait pu faire partie de cette ligue, mesdames et messieurs. Qui aurait pu être là ce soir? On n'oubliera pas. On n'oubliera pas tous ces Pokémon. Alors, on aurait pu prendre ce soir Flantios. Tous ces Pokémon sont vivants. Flantios, Panard, Tarquin. Alors, lui, il s'appelle Banniken, mais là-bas, il s'appelle Braguette. Garest et Trioblero. Alors, j'ai hésité pour ce soir à prendre Trioblero. J'ai hésité. Je le regardais dans le PC, j'étais en mode... En vrai, Trioblero, franchement. Mais finalement, voilà. La team n'a pas validé. J'ai demandé à mon manager. Il a dit... alors, nous avons Monoflegon qui est mort très tôt. Roucarlos, déjà une légende alors qu'il est seulement niveau 14. Noirnieur, Zorolis, Faker, Arbokis, Tramp, Ninja Volt, Culbutos, Papibulle, on l'oublie pas Papibulle, Quillramp, Castaquac, la légende, Trio Faker, Ectoli, Maniac, Melodrio, Chapifang. On n'oubliera pas également Duo Faker. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un Faker 2 aussi qui n'est pas. Je l'ai relâché sans faire exprès. Chapifang, on t'oublie pas, t'étais un crack. D'ailleurs, t'as la Hearthstone, c'est quoi ça? C'est quoi ça, la Hearthstone? C'est peut-être mieux que ce que j'ai? Parce que c'est vrai qu'en vrai, Quicklow sur un Pokémon qui a Exuviation, c'est un petit peu du troll. Hein. Les Rock Type. Ah! Attendez, il y a un truc à faire là. Est-ce que je prendrais pas ça? La Twisted Spoon, je la mets sur Krustos. Ah, je pense que je vais mettre la Twisted Spoon sur Krustos et je vais mettre la Quick Claw sur Tatou. Parce que Tatou, il est un peu lent, mine de rien. Son gros problème, c'est qu'il est lent. La team aurait pu être si gotesque. Non, mais la team est gotesque, franchement. C'est la plus belle team de league que j'ai fait dans tous mes Let's Play, je pense. Honnêtement. Elle est trop belle. Il y a pas de points faibles, il y a que des cracks, il y a que des boss. On les aime tous, ils sont tous beaux. Bon, j'ai eu des teams extraordinaires, mais là, franchement, vous êtes d'accord, elle est incroyable, cette team. Il manque Melodrio. Alors ouais, Melodrio, malheureusement, il s'est fait crit et miss. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais, mesdames et messieurs. Il est déjà dans le Panthéon. Mais c'est le Panthéon de nos cœurs. Allez, si tu veux Flash Cannon, c'est Rouge 23. Bon, non, tranquille. J'ai décidé qu'une fois que je lançais le live, je ne changerai plus la team, de toute façon. Bon, là, je viens de la changer. Attendez, il y a un mec là, il me dit quoi, lui? Je peux même pas battre le premier membre du Conseil 4. Alors, on espère pouvoir battre le premier membre du Conseil 4, parce que je vous le dis, même si on considérait que j'ai pas perdu parce qu'il me reste des Pokémon, je pense pas que je vais avoir beaucoup de chance avec eux, là. À la limite, Panard. Panard et Garest, à la limite. Mais bon. On espère pouvoir s'en sortir. On a quand même des très bons Pokémon. Après, on peut très bien se faire Axe. Hein. Si on tombe sur un Pokémon qui set up... Moi, je stresse. Hein. Moi, franchement, je stresse un peu. Hein. De toute façon, les ligues, quand tu fais en mode random, il peut toujours se passer des dingueries. De toute façon, il suffit de voir le premier live sur Infinite Fusion. C'était absolument atroce. Fun fact, heureusement, t'as lancé en normal et en power hard. Bah, vous savez qu'il y a un mec, là. Et il me dit, genre, oui, advance option. Y a pas moyen de remettre... Parce que je me suis dit, s'il y a moyen, est-ce que je mets en hard ou pas? Mais je me suis dit, peut-être... C'est quoi ça, Fix Game? Non. Bon, dans tous les cas, on va rester comme ça, je pense. Parce que on rappelle qu'en normal, on est quand même tombé sur un Pokémon qui avait 3 têtes, qui pouvait attaquer 3 fois dans le même tour, et qui avait 10 niveaux d'avance. Ça, c'était le mode normal. Bon, je veux bien rigoler, mais faut peut-être pas déconner, quand même. Est-ce que t'as fait le plein d'objets? Bah alors, j'ai plus d'argent, je crois. Il me reste 1630. Ok, qu'est-ce qu'on achète avec 1630, les gars? Tu fais quoi, toi? Attends, y a pas un truc qu'on peut vendre, là? Star Piece. Parce que je crois que j'ai vraiment pas beaucoup d'items, pour le coup. C'est un peu mon problème. C'est que j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai acheté ce que je pouvais, mais... J'ai 25 hyperpotions. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. D'habitude, quand je suis une ligue, j'ai genre 50 hyperpotions. Là, je suis en mode...
On va faire avec. On va faire avec. Vente et CT. Ah, j'avoue, je peux vendre mes CT en vrai. Putain, j'avoue, c'est fort ça en plus les CT, je crois. Oh non, je peux pas. Je peux pas vendre mes CT dans ce jeu. Après, on a des berries, regardez. Ça vaut. Non. En vrai, je vais quand même les vendre, mais bon. On n'est pas sur. Là, on est pas sur un truc. C'est comme si tu vendais Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2 dans un Micromania, quoi. Le mec va te dire, ok, bah, tu te fous un peu de ma gueule. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, pierre-feu, truc comme ça, hein. Oh, 2500 de pierre-feu! Mais let's go! Ouais, tous ces trucs-là, en théorie, on s'en fout. Le max repel. Pourquoi ça va me servir à rien? Poison barb. Poison barb, on s'en fout. Franchement. Ah, j'ai 9000 déjà, là! Je suis en train de me full booster. Bon, à la Redstone, on sait jamais, on va la garder. Ça peut peut-être servir. Dragon Scale. Thunderstone. Ok, bon. Expérience chère, je sais pas, on va garder, on sait jamais. Ok, là, on a re beaucoup d'argent. On va acheter des hyper potions. Je peux en acheter combien? 9. 8. Bon, c'est pas incroyable. On va pas se mentir. Enfin, on peut acheter une super potion. Il me reste 40$. Qu'est-ce que je peux acheter avec 40$? Des M&M's? Ok. Si tu fais Johto, t'auras plus rien. Oh, c'est pas très grave de toute façon. Est-ce que si on fait Johto, on change complètement de team ou pas? Je sais pas, mais je suis même pas sûr de faire Johto, hein, j'en sais rien. Ce serait quand même stylé d'aller affronter Red, quoi. Mais non, c'est nous Red! On peut pas affronter Red! Attends, mais y'a qui à la fin de Johto? Notre clone? J'avoue, j'avais jamais pensé. Attends, mais c'est Johto sans qu'il y ait eu Pokémon rouge et... Ah oui, j'avoue, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'on puisse aller à Johto alors qu'il n'y a même pas eu... Il y a DFG. Ok, c'est parti les gars. Bon. Elite 1. Du coup, c'est random. Qui est-ce qu'on lead? Non, mais c'est qui ça? Je connais pas. Ah si, bah si. C'est... Bon. Est-ce que c'est... Ouais, non, je crois que ça change pas. Hein. C'est toujours, les mêmes types. Mono glace, détruit Libérax, Krustos c'est pas mal, mais Krustos le problème c'est son tanking quoi. Je crois niveau spedef c'est une catastrophe. 98 en spedef c'est pas ouf. Est-ce que tu stream demain? Alors demain je serai en live à 14h ou 13h, un truc comme ça, pour le Pokémon Presents et stream les annonces. Mais je serai aussi en stream à 21h pour un event avec plein d'autres streamers Pokémon. Donc ça sera cool, ça sera très très cool. Ah oui, parce que vous savez ce que c'est l'event de demain? Je sais pas si Fidon la spoil, je sais même pas, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Parce que je sais pas si... je sais pas si quelqu'un la spoil ou pas. Parce que l'event c'est... on nous met avant une ligue et c'est le mec qui finit la ligue le plus vite. Du coup je m'entraîne là, je m'entraîne. Non mais je vais perdre hein, par contre je vous le dis. Je vais 100% lose. Moi j'ai fait 4 ligues dans ma vie, donc... Enfin bon, ça risque d'être assez drôle. Surtout que je suis contre George Osplay qui a fait 600 let's play récemment. Filon l'a dit hier, ok. Ok, bon, qu'est-ce que je lead? Tatou? Bah, lui il se fait one shot, Lui, il galère un peu... En fait, monoglace, ça risque d'être un peu dur. Moi je pense on lead Tatou. En vrai Tatou il a des stats de psychopathe, hein. Mais 145! Non, attends, mais c'est quoi ces stats? 165 en défense et 145 en spedef. Mais il a tout ce poké! Mais il y a tout dans Tatou! Mais il y a Tatou! C'est très très grave ce Pokémon! En même temps, tu fusionnes Mewtwo et tu fusionnes Tarinorm, qui est un Pokémon qui a des stats défensifs incroyables. On est quand même sur quelque chose d'insane. Moi je pense qu'on valide. On valide sur Hector. C'est un peu le mec, voilà, il est là quoi. Il est là, il est neutre. Il est neutre. Ok, c'est parti. Il a quand même sturdy. Ok. Ah oui, en plus, il a sturdy. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il a sturdy. Mais on s'en fout qu'il ait sturdy. C'est très grave. C'est comme si tu donnais un gilet pare-balles à Gigancelle. C'est un rocher, le truc. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Lorelei du Conseil 4. Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. En anglais. Personne ne peut me battre quand on parle des Pokémon de type glace. Les attaques glaciales sont puissantes.
Tes Pokémon seront à ma merci quand ils sont gelés. Cette personne dit n'importe quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. À moins que tu me freezes, t'inquiète pas, mes Pokémon, pas, ils vont pas te freeze. À moins que tu me freezes. Tu vas pas faire laser glace et me freeze quand même. Oui, non, mais je faisais en français, mais je disais juste que je savais pas qu'ils appelaient Lorelei en anglais. Oh putain! Oh, ça fait peur ça! Ça fait très peur! Oh, ça fait très très peur! Oh, yo 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 yo, merci Aria pour les 5 subs! Mais attendez, 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 mais. Hey, ça fait très très peur ça! Bon, il est forcément type glace. Donc, il est forcément type électrique glace. Électrique glace. Un total de 0 counter dans le jeu, forcément. Non, mais attends, électrique glace, c'est le meilleur type du jeu. Électrique glace. Y'a aucun counter? Bon, je suis niveau 60. Je suis électrique et. Non, je suis électrique! Mais j'ai lévitation! Je crois que j'ai lévitation. Ah mais attendez, mais d'habitude je joue sur manette. Je suis en train de dire, c'est bizarre, j'arrive pas à faire B. Mais c'est normal. Je joue sur manette normalement, elle est où ma manette? Depuis le début, je suis en mode tranquille. Je sais même pas comment on fait B sur clavier. Je sais même pas comment on fait B, putain. Je suis stuck là. Oh non, la catastrophe. Mais je sais même pas où elle est ma manette. C'est très grave. Bon, en même temps, là, je cherche pas trop. Hein. Oh non, 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 non. Attendez, comment c'est possible de perdre une manette? On est en quelle année, là? Allô? Manette? T'es là? Putain, mais je sais... Je vais perdre sur timer! Mais c'est incroyable de perdre une manette. Bah, j'ai réussi à perdre une manette. Ah non, elle est là! Elle était cachée sous la... Allez. Ok, c'est bon. C'est bon, les gars. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Bon, en vrai, est-ce que je switch ou pas? Parce que je me rappelle même plus si j'ai lévitation sur lui. F1 pour résister. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer sur clavier, c'est trop nul. Appuie pas sur T-Wave. Non, non, je vais pas appuyer sur T-Wave, bizarre. Attends, mais il est pas forcément... il est pas type sol, hein? Il est pas type sol. Ok, alors. C'est quoi déjà mon talent? Je me rappelle même plus. Si j'ai lévitation. Ok, ça va, ça va, ça va. On est tranquille, on est tranquille, y'a aucun souci. On a juste à taper une petite Shadow Ball. Voilà. Ah, le crit tour 1! Le crit tour 1 de la ligue! Oh, Blizzard qui crit et qui touche. Tour 1, bah ça va être très bien ça. Bon, ça va, on le tue. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était genre Ice Shard. Ça va, ça va. En 2 HKO, on est plus rapide, on est bon. On est bon, y'a aucun souci. Bon, on s'est quand même fait crit. Victor est quand même niveau 60, hein. C'est un de mes meilleurs Pokémon. Oh, Pilocro. Pilocro. Forcément type glace. Du coup, il est glace ténèbres ou glace vol. En tous les cas, discharge, ça me semble free. Hein. Non, mais attendez, mais j'ai 0 HP. Faut que je fasse gaffe quand même. Hein. Imagine Yakuba. Imagine, il est ténèbres et Yakuba, c'est chaud. En fait, le truc, c'est que j'ai pas de Chuchino au type ténèbres avec ma team. Vasily. Mais non, parce qu'imagine, il est vol. Oh, mais il fait peur de fou ce poké. Sinon j'envoie Tatou, mais ni Patou, il est que niveau 58. Hein. Sinon j'envoie Krustos. Moi je pense qu'on envoie Krustos. Il est tellement... Non, c'est quoi ça? Mais j'ai trop l'impression... What? Non mais non! Non! Deux attaques de crit! Non, 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 wait, 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 c'est quoi ça? On est où là? Deux attaques de crit? T'es sûr, bro? Comment ça, mon buff? C'est la ligue ou c'est la... Non. Ok, voilà, ça me fait... Là, ça me rassure, il se passe des choses en ma faveur. Ok. Bon, je vais pas faire exuviation vu qu'il me crit à 100%. On va taper Psycho. Non, c'est quoi ça? Ok, ok. Mais le problème, c'est que là, moi, je vous jure, j'ai pas tant d'hyper potions que ça. Hein. J'ai peur d'utiliser mes hyper potions. Hein. C'est...
Je suis pas rassuré, hein. Je pense qu'il faut qu'on switch, la limite. Parce qu'en fait, il faut qu'on utilise les hyper potions à la fin de chaque match. Non, en vrai, faut que j'essaie de ne pas utiliser de potions, c'est chaud, sinon. Après, il a pas l'air d'avoir... Enfin, il a Blizzard. Mais attends, mais j'ai pas de switching, là. Après... J'ai pas une grosse base d'attaque sur Tatou. Normalement, ça devrait aller. Non, 35 hyper potions, c'est vraiment pas énorme pour le coup. Ça va. Ça va, on va quand même pas perdre Tatou tour 1. C'est quoi ça? Oui, Tatou! Oh putain, j'ai eu peur! Mais c'est ultra dur en fait! Oh non! Glatomp! Non, mais en vrai, je vous avais dit, c'est le pire fight. Mais par contre, il a une monosol ou c'est une monoglace? Non, mais tu me dis? Mamochon? C'est bizarre en vrai, non? Il a 3 Pokémon sol? C'est. La coïncidence me paraît un petit peu frauduleuse là. Ok. Voilà le miss! Let's go! Bon. Le truc, c'est que je peux pas trop faire discharge parce que ça se trouve, il est type. Il est type. Sol. On va faire psycho, c'est safe. Oh, ça va, ça me fait pas très peur ça. Non, ça va. Fais-toi plaisir. Oh, j'ai eu. Oh là là, la vive griffe. La vive griffe, mesdames et messieurs, qui carry. Vasilis qui monte niveau 59, c'est bon ça. Glakid. Bon, lui... Plus on avance dans le combat, moins il fait peur. Tous ces Pokémon, ils sont en train de devenir de plus en plus petits, de plus en plus nuls. C'est terrible. Oh oui, la vive griffe. Non, mais c'est la meilleure idée du monde, vive griffe, sur ce Pokémon. Non. Après, ça va, on est type... En vrai, on est type assis. Le Pokémon est free win. C'est juste free win. Pokémon sont de plus en plus nuls. Le dernier Poké, ça va être un Evoli et un Chamallow, genre. Oula. Il fait trop mal! What the fuck? Heureusement qu'on a des stats de fou, hein, sinon Tatou il serait mort 6 fois. Il veut apprendre Nightmare. Bon, non, ça sert à rien. Mais attends, mais il a une mono. il a que un Poké en fait. C'est un Poké, il a fait une famille. C'est un Poké, il est allé voir 6 Poké, il s'est reproduit 6 fois, et puis voilà. Putain, je perds des potions. Mais il a Monoplizard aussi, c'est très grave. Ok, donc là, il est forcément vol ou fée. On va faire un petit discharge parce que, en vrai, j'ai plus que 4 PP. Oh, j'ai oublié d'acheter les trucs pour les PP. Oh no! J'ai oublié d'acheter les trucs pour les PP. J'ai oublié. Nice! Ok. Mais ça va être très dur, ça va être très très dur. Ok, c'est bon, on a gagné le premier. Mais on a utilisé beaucoup trop d'items et beaucoup trop de PP. J'ai complètement oublié les PP. Après, je pense que c'était le combat potentiellement pas le plus dur, mais bon. Le problème, c'est que plus on va avancer, plus ça va être dur. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai acheté des super potions, mais si j'avais su, j'aurais acheté des... Ouais, est-ce que j'ai des trucs pour des PP? Attends, mais j'ai calcium, faut que j'utilise. Mais sur qui? Mais sur Tatou. Tout ce que j'ai, je mets sur Tatou. À part Carbos, je pense que ça sert à rien, on va mettre sur Liberax plutôt. On n'a pas encore sorti Liberax. On met sur Liberax. Ensuite, on a HP Up. Bon, HP Up sur Tatou, ça fait toujours plaisir. Hein, hein. Ah, ils ont plus de V possible. Merde. Bah, le reste, c'est nul. Ah, si, j'ai un PP Up! J'ai un PP max et un PP up. Attends, PP max c'est pas mal. Hein. En vrai, ça va, j'ai éther, élixir, j'en ai deux. C'est tout. Après, j'ai des PP up et des PP max. Est-ce que les PP max ça remet le nombre de PP que t'as ou pas? Les B, mes pots. Non, j'ai 0 B. J'ai vendu mes B à l'instant. Là. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête sur les PP, je pense. On est encore large. Ok. Putain, j'ai cru que c'était directement la monodragon. Ah, mais j'ai oublié de me soigner, putain.
que 33, plus que 32, plus que 31. Bon, alors lui, c'est quoi? C'est mono combat? Ou non, c'est mono roche, mono sol? On sait pas trop, lui. Hein. Mono sol? On sait pas. Lui, il se cherche. Lui, il se cherche, il est un peu curieux, quoi. Il est mono méchant, on sait pas trop. T'as un super bonbon. Ah ouais? Ah, mais super bonbon, autant le garder pour l'instant. Imagine, on met un super bonbon sur un Pokémon mort. Il faut attendre le dernier combat pour le super bonbon. Pour optimiser. Combat au roche. Je sais pas. Moi j'ai envie de lead. Ah non, Vasilis il va encore se faire niquer par si c'est le type combat. Moi je dis on lead. Non mais Migagron niveau 59. Ouf. On lead Krustos, allez. Allez Krustos. Je suis Bruno du Conseil 4. Avec un entraînement rigoureux, les gens et les Pokémon peuvent devenir plus forts. Je suis entraîné avec mes Pokémon de type combat, Redrio. Et on va te grinder. Ok, tu vas me grinder. C'est combat du coup. Oh ha! Putain, il a dit oh ha, j'ai peur. C'est le premier combat de Krustos. Non, arrêtez. Oh non! Slowly! Après, en théorie, Psycho, c'est insane hein, contre sa team. Après, comme par hasard, il est type psy son Poké. Plus rapide que moi. Bon, ça va, je résiste. Bon, ça va, on est large. Mais c'est un one shot. Non, mais Krustos qui va un VNF. Oh, le prime. Oh, le prime tank. Oh, le prime tank. En vrai, j'aurais dû faire exuviation. Du coup, lui, il est combat normal. Ah, psycho. Hein. Non. Non. Tank, Krustos. Non, c'est de la triche. C'est de la triche. Krustos n'a pas fait un fight. Oh non. Oh, le scandale. Mais c'est pris pour Kourou singe ou quoi? Oh, j'ai déjà perdu un poké, je reviens pas. Je me fais soulever par Kourou singe même dans les ligues fusion. Putain, j'aurais dû taper avec Shell Smash. J'ai même pas tapé Exuviation une seule fois avec ce Pokémon. Merci à Telos. Putain, heureusement que c'est pas Tatou qui s'est pris un tout ou rien. Bon, après, on sait pas du coup ce qu'il va envoyer du coup. Allez, Libérax. Oh non, je suis dégoûté. Quoi? Ah, lui, il est ténébreux, hein. C'est vraiment, il est très ténébreux. Manchomp. Attends, mais ça fait peur, ça. Non, mais attendez, c'est Karchakrok, là. En fait, je fais quoi contre ça, moi? En fait, ça dépend s'il est dragon ou s'il est seul. Ce qui est forcément combat. Parce que s'il est dragon, je peux taper un énorme Dragon Pulse. En vrai, je suis tellement rapide, je pense que ça passe. Mais imagine, il est seul. Mais en fait, c'est chaud. S'il est dragon... Imagine, il refait Final Gambit. Il est seul. Je pensais que je tank. Parce que je crois que mes stats sont pas folles. Hein. En fait, faut se dire que dans tous les cas, j'ai aucun switch-in. Si, en vrai, Hector! En vrai, un Pokémon seul fight, Hector est bien. Il essaye de me sweep, je reconnais, là. Non, mais il allait encore me niquer un Poké. Oh, le switching complètement aléatoire qui est passé sans faire exprès. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là, on est passé très proche de la catastrophe. Oh, il est réapparu. Oh non, il a tanké. Ok, ça va. C'est en plus, il se fait one shot. Oh, j'en reviens pas, on a failli perdre un tiers de notre team. Mais arrête! Bon, en vrai, ça m'arrange. Hein. Ok. Malix. Ouais, faisons comme ça. Bon, ça va, lui, il a pas fait Final Gambit.
Les pistoles. Ouais, non, mais ça va, j'ai encore 9 PP. Attends, j'ai pas le choix, il est type sol, lui. Non, il est type sol. Ça va. Scaryface, ok, on est tranquille. Il devrait pas nous dépasser, je pense. Ok, on perd des PP de Shadow Ball, mais on est bien. Par contre, je suis à moins 2 en défense et à moins 2 en vitesse, donc le prochain Pokémon. Basilisk qui monte, ok. Ouais, il va falloir compenser le fait qu'on a perdu un Poké. Libérax, je vais prendre Heat Wave. Ah, c'est largement mieux que... quoique. En fait, ça miss, quoi. Je suis pas sûr. Hein. Parce que, ou alors on enlève Earth Power, mais est-ce que Earth Power, c'est pas mieux que Heat Wave, finalement? En fait, je pense qu'il faut Heat Wave pour les Pokémon glace. Oui, Heat Wave. C'est, si je miss Heat Wave et qu'on perd à cause de ça, ça va être très, très triste. Oh, Dunley. Il est trop stylé, en vrai. Après, je suis quand même à moins 2 en défense et à moins 2 en vitesse, je suis obligé de switch. Je suis obligé de switch, là. Faut que j'aille sur... j'ai pas le choix, faut que j'aille sur Tatou. Ok, ok, ok. Donc comme ça. La petite vive griffe, c'est bon, one shot. Let's go. Tatou, pour l'instant, il se met bien. Mono glace puis mono combat, il se met bien. Bon, on a perdu un Poké. On aurait pu en perdre 2. Faut se dire ça, on aurait pu en perdre 2. Quoi? Pourquoi? Comment je peux perdre? Oh, j'ai eu tellement d'argent que je ne pourrais jamais utiliser. Mon travail est réalisé. My job is done, but you didn't do anything. Bon, en vrai, si, il m'a quand même tué un Pokémon. Putain, Christos. Christos, c'est honnêtement... peut-être une des pires performances d'un Pokémon dans un let's play de l'histoire. Le Pokémon n'a jamais fait un fight avant la ligue. Il se ramène à la ligue, il se fait one shot au deuxième Poké. Mais tu es ridicule, Christos. Tu es ridicule. En vrai, il aurait pu sweep. Si j'avais fait Shell Smash, c'était un sweep. Je me sens trop con. Ouais. Okay. Il y a des tombes partout. Bah, super. Hein. Bonne ambiance. Oh, elle va faire tellement mal. Putain, j'ai plus que 5 Poké, ça va être trop dur. Parce que je vous jure, le boss final, je crois, ils sont au niveau 70, ces Poké. Ça va être tellement dur. Ok, Vasilis, c'est à toi de jouer. Le problème, c'est que, bon, non, j'allais dire, il va y avoir Ectoplasma, mais il va pas y avoir Ectoplasma. Allez. Je suis Agatha du Conseil 4. Je vois que le professeur Shen a... tu as piqué l'intérêt de professeur Shen. Ce débile était à une fois plutôt fort et plutôt beau. Mais bon, on connaît parce qu'en fait, on a joué au jeu 6 fois, si tu sais. Je dis 6 fois, on a joué au jeu 20 fois, je pense. Je vais te montrer comment un maître de type spectre combat. Champ de noir. Ouais. Il y avait un type qui m'arrangeait pas, c'était lui. Il y en avait un. Est-ce que je fais Magikot en légende? C'est quoi mes stats? J'ai 80... ah non, je suis moins spédef. Oh. Parce que là, il est forcément feu spectre. Donc le Noctunoir est spectre. Et j'ai aucun switch-in. En vrai, il faut que j'aille sur Libérax, mais... ça me fait chier d'envoyer Libérax, quoi. Il va pas faire ballon, quoi. C'est au moins, on le sait. Ok. Non! Je viens d'enlever Earth Power. Bon, ça va, j'ai quand même Dragon Pulse. Il peut pas être... Il peut avoir deux fois le même type. Possible, ça. J'ai très peur. Hein. En fait, j'ai peur de me setup. Mais là, vaut mieux qu'on setup. Hein. Comme ça, on le tue derrière. Pas de crit, pas de crit, pas de crit.
doit aller, je pense. Ok. On ne laisse pas nous speed drop avec des Shadow Ball ou quoi, ou des crits. Ça fait peur, ça. Oh, ça fait peur, ça. Faut que je me heal, là. Chaque potion compte, maintenant qu'on a plus que 5 pokés. NON! Oui, Libérax! Ok, est-ce que je peux encore switch ou pas? Nice! Ok. Tout va bien, tout va bien. On peut faire psycho, on est tranquille, il va se frapper dans sa confu. Ouais, fais pas le fou, fais pas le fou. Le HK ou pas? Non. Merde, j'ai oublié! Faut que j'arrête d'utiliser les PP. Faut que j'arrête d'utiliser les PP. Bon, ça va, on a. Non, c'est quoi ça? Ok, ça, on t'en. C'est Tatou, Tatou, il est immortel, genre. Ok, là il a. Ouais, non, avec utilisé son. Putain, j'ai plus qu'un PP psycho. C'est une catastrophe. Imagine, il fait reversal là, c'est genre le maximum de puissance. Après, il est obligé de faire full restore, c'est comme ça. Ok. Là, on va se soigner, je pense. Ça fait chier, mais bon. Est-ce que j'ai pas. Non, en vrai, le problème, c'est que c'est. Il y a trop d'HP ce Pokémon Super Potion, ça va rien lui donner. Oh! Le full restore, full life! We take this? Mais après, il fait outrage. Ok. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Ok, c'est bon ça! Bon, j'espère qu'elle a pas encore un full restore. Attention, elle est bloquée sur Outre. Et pourquoi elle a fait full restore? J'ai jamais vu. Tiens, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Un dresseur qui fait full restore. Est-ce que Kuba ça passe avant la vive griffe? Je crois que oui. Ok, c'est bon. Pas de Kuba. Nice. T'es au niveau 62. Oh là 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 là, ça fait peur ça. Bah là, il est spectre. S'il est spectre feu, j'ai perdu, hein, je vous le dis. Mais attends, mais spectre insecte, j'ai autant perdu en fait. Bah, ça dépend. S'il est. Non, j'ai Earth Power, mais s'il a lévitation. Tu te sens tanké, Tatou? Mais ma team est 6-0 par tous les teams du monde. C'est très grave. En vrai, c'est Tatou, c'est une légende. Mais là, c'est deux fois l'attaque spéciale broken. Oh, la vie griffe. Allez, one shot. Non. Ok, ça me va. Ça fait mal ou pas? Non mais là s'il n'y a pas la vie griffe qui s'active, c'est mon Poké est mort. J'ai pas de switch in. Attends, il y a quel moment il est rapide lui? Oh, il est très rapide lui. Peut-être un monde hein. Je l'envoie et derrière je le tue. Après lui il est quand même bien rapide. Et bon, Elector Gengar, c'est aussi, en théorie, c'est aussi rapide. C'est exactement les mêmes bas stats. Donc en théorie, c'est bon. Parce qu'en termes de vitesse subie, pas de nature moins. Après, imagine, il fait Shadow Ball, quoi. Il va pas faire. Si, il peut faire. Allez, moi, je pense qu'il faut qu'on tente, là. Je tank Dark Pulse. Allez, toi! Ok, je tank ça. Ouh! Alors là, attendez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tape? Ou est-ce qu'on soigne? Parce que. Le problème, c'est que si je tape et que je me fais outspeed et que je meurs, derrière, j'ai plus de poké. J'ai rien à envoyer. Hein. Je suis pas sûr d'être plus rapide. Après, il a peut-être pas l'attaque feu. Pour l'instant, il arrive 3 moves. Hein.
peux pas te faire au speed avec les niveaux en plus. Ouais, mais imagine, il y a des EV ultra bons et pas moi. Moi, j'ai une loi, c'est ne jamais écouter Stream Moustache, donc... Allez. T'es plus rapide, Hector, t'es un crack. Yes! Hector le GOAT! Et ça tue! Let's go! Hector! La légende! Encore deux pokés. C'est quoi ça? Bah heureusement que j'ai dit qu'il n'y avait pas de Gengar! Y'a que ça! Mais à chaque fois ils ont deuxième team qui tue Vasilis! Normalement il était en 1v9! C'est insupportable! À chaque fois ils ont le meilleur type! C'est un cauchemar! Est-ce que Migagon va enfin pouvoir jouer? Mais Ah, Migagon peut-être. Peut-être que Migagon c'est son moment. C'est quand même le boss de la team normalement. C'est censé être le crack. Ok, ok. Il peut avoir lévitation. Surf, c'est bien, je pense. Ok, il est insecte. On croque slide. Je vais me heal, je pense. C'est tellement dur, je m'attendais tellement pas à ce soit si dur. En même temps, j'ai pas de chance sur les types, hein, c'est très grave. Plus Final Gambit, là. Allez, Rock Slide. Ça devrait tuer parce que c'est Ectoplasma, quand même. Nice! Vasilis qui monte sans avoir rien fait, c'est incroyable. Merci à lui. Bon, dis-moi que Vasilis, tu vas servir pour le dernier combat. Mais c'est très grave! Mais suivez-vous le Counter Team! On dirait Ken Bogard contre DFG. Je n'en peux plus. Mais attendez, mais c'est incroyable. Là, faut que je sac un poké, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Faut que je heal Libérax. Il faut absolument que je heal Libérax. C'est mon seul poké. Ou alors je tente d'aller sur Libérax. Puis niveau 60, j'ai 70 HP. Ah sinon je tape hein. Mais non mais attendez, mais je peux faire séisme. Les types feu. Je tue sûrement en vrai. Yes. J'avais pas pensé que j'étais super rapide en vrai. J'ai tellement l'habitude de me faire outspeed dans ce match que... Oh. Tu as gagné. Je vois ce que Shen voit en toi en fait maintenant. Il a rien d'autre à dire. Vas-y. Ok bah moi aussi j'ai rien à dire à part qu'il va falloir que je heal ma team. Ouais vous disiez 35 milliards de potions ça va. Vous avez vu le problème? J'ai déjà perdu la moitié. On va utiliser les super potions pour lui. Putain. Hein. Pff, là franchement c'est un miracle. C'est un miracle. Tous nos pokés ont failli mourir 3 fois. À part Vasilis qui est AFK donc. Il peut pas mourir, il est AFK. Attention PP. Là à mon avis il faut que tu utilises un PP. Hein. Le tatou est trop fort en fait pour qu'on... Je vais booster Tatou. Mais j'ai 2 rares contre. Je pense que je vais utiliser un élixir sur Tatou. Ok. T'as même pas perdu le tiers de tes potions, Malcolm. En fait, franchement, dans ce combat, on a vu que de toute façon, les potions ça servait à rien. Tu fais one shot ou tu fais pas one shot, mais. Dans ce go de Redacted qui essaye de rendre la stratégie attrayante avec MSL plus Nazi. En vrai, l'event était archi drôle. Je trouve que c'est quand même une réussite, tiens. Mais si tu regardes un peu, il y a eu Oyakata qui a stall. Ensuite, il y a Gigancel qui a stall. Ensuite, il y a Amacel qui a stall. On a eu le pire combo du monde. C'était un cauchemar. On a quand même réussi à avoir du stall en BSS avec des gens qui débutent. C'est quand même très triste. Ah, il y a eu aussi Arboliva. Il y a eu Arboliva qui a stall aussi. Je l'avais oublié celui-là. Après, Arboliva, il faisait pire que ça. Hein, pour le coup. J'avais pas que lui faire cette team. Non, mais vous savez ce que c'est le plus drôle? Parce que les gens, ils vont me dire, oui, mais Redemption, t'as quitté la brigade anti-Gigancel. Regardez le bilan de DFG. Il a gagné tous ses matchs quand il n'a pas sorti Gigancel. Et quand il a sorti Gigancel, il a perdu tous ses matchs.
Je dis ça, je dis rien. Mais, comme par hasard, tous les matchs avec Gigancel ont été perdus. Je dis pas que derrière, j'étais en train de taffer, mais... Voilà, la brigade est là, la brigade est là. Vous inquiétez pas, on bosse dans l'ombre. je vais hint son Gigancel. Alors, Monodragon. Ce qui est bien, c'est que Monodragon, j'ai quand même Tatou, là. Tatou, il se met bien. Est-ce qu'on lead Tatou ou est-ce qu'on lead pas plutôt... Putain, mais Krustos. Krustos, où es-tu quand on a besoin de toi? Ken a trop bien joué. Bah, non mais attendez, vous savez ce que c'est le truc le plus drôle? Genre, juste avant l'event, enfin, le matin de l'event, je vais sur Twitch et je regarde mes clips parce que j'avais envie de faire un best-of justement pour la vidéo de la roue Pokémon. Et qu'est-ce que je vois dans mes clips? Trois clips. Un clip qui s'appelle Team de DFG. Ensuite, un autre clip qui s'appelle Attention à... Et un autre clip qui s'appelle Résumé. J'étais en mode, c'est bizarre ça quand même. C'est quoi ces trois clips là? Quelqu'un a regardé mon live et a voulu faire quelque chose? Et qu'est-ce que j'apprends? Que peut-être la personne en question ferait partie de la commu de Ken Bogard. Et le soir même, Ken Bogard connaît toute la team de DFG par cœur. Et à tous les counters. J'étais en mode, mais attends, mais c'est incroyable les coïncidences. Évidemment, mon DFG, il a bien galéré sa mère. Bon, il y avait quand même des counters normalement dans notre team, mais après c'était super dur à faire. Il avait provoque sur tous ses pokés, il y avait Kourou Singe, c'était un cauchemar. Bon, allez, moi je dis, on lead Vassilis. Il nous a déçus, mais c'est marrant. J'ai entendu parler de toi, Ridrio. Comme tu le sais, c'est moi qui mène le Conseil 4. Tu peux m'appeler Lance, ou Peter, le dresseur dragon. Tu sais que les dragons sont des Pokémon mythiques. Non, pas tant que ça. Je suis désolé, mais... J'ai vu des Pokémon dragons, ils ont pas l'air très mythiques. Hein. C'est parti. Il y a un clip, les Terra. Ouais, non, mais c'est composé. Ça m'a fait trop rire. Ok. Je suis pas convaincu par cette fusion. Pas convaincu. C'est incroyable, je ne touche pas. Je ne. C'est même pas. En vrai, c'est... Non, mais c'est. Ma meilleure attaque, c'est quand même Magikote hein, contre un Steelix. Ouais, non, c'est très grave. Bah, merci à toi, Vassilise. Je te rappelle tout à l'heure. On se rappelle. Ouais, on se rappelle, ouais. L'Energy Ball fait mal. Ouais, ça fait neutre, quoi. En vrai, on peut taper une Energy Ball pour vous faire plaisir. Energy Ball fait mal! Il m'a fait une dent slam, gratos! Le chat est catastrophique! Mais voilà, j'étais ultra chill et je suis dans la merde. Putain, je vois pas ce que je peux faire là. Je refais Energy Ball. Oh, je tank ça. Il va prendre cher. Ah ouais. Ah ouais, non mais ok, ouais c'est une intelligence artificielle qui fait les trucs au hasard, hein. Ouais, je pense, ouais. Le problème c'est que si je switch et qu'il anticipe, c'est une catastrophe. Moi je pense qu'il y a un monde où on peut go tatou là, mais... Imagine il fait séisme. Si je perds tatou, je... Après on arrive à la fin de la ligue quoi, il faut qu'on fasse des trucs, hein. Ok. Il est acier, dragon. On est plus rapide. Steelix a 0 speedf et l'autre c'est une sous-evo. Yes! C'est bon ça, c'est très bon ça. C'est bien la loose ce Pokémon.
Attendez, parce que ça reste Nidoking, hein. Type sol, j'ai très peur. Oh, son gros Hector là. Je pense pas qu'il va faire une attaque dragon sur un Pokémon acier. Putain, mais ils aiment trop faire des scary face. C'est bon là. C'est pas du tout flippant. Est-ce qu'il peut être type. On s'en fout. Faut toujours taper Shadow Ball là. Oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal le crit! J'ai vu ma vie défiler dans mes yeux. Ok. On se heal, on se heal, on se heal. Oh, lui aussi se heal. Bon, ça va. On sait que le crit nous tue pas, mais le problème c'est que. On a 5 PP quoi. Il miss. Il miss les gars, c'est bon ça! J'ai l'impression que j'ai fait moins mal. Ok, il miss pas. On sait que le crit tue pas. Il aurait pu nous finish. Je vais pas le burn. Non, mais je vais miss le follet. Attends, mais c'est le Pokémon le plus broken de l'histoire là. C'est quoi ça? C'est quoi ce Pokémon broken là? J'ai envie de faire feu follet, mais imagine, il est spécial. En fait. Oh putain. En plus, il peut avoir Guts, ouais, c'est vrai. Oh là 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 là. Il te dépasse? Non, il me dépasse jamais. Dialga plus Heracross, il n'y a pas vraiment de raison que ça dépasse Ectoplasma Hector. Nidagron, j'y crois. Ah, je pense que c'est Migagron là. Ou alors on envoie Tatou, mais. Allez. Ah oui, il y a Scary Face, oui, c'est vrai. Allez, Migagron. T'as pas récupéré l'attaque spéciale de Jirga, toi, je crois. Je crois que t'as récupéré l'attaque spéciale de Scarino là. En vrai, c'était pas stabé. Attends, il est soit combat, soit insecte. Comment je fais pour être safe, là? Je pense on fait Rock Slide, comme ça on peut... Peut-être flinch... Ouais, vas-y, fais des trucs comme ça, ça me plaît. Ça, c'est super efficace! Sérieux? Non, 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 c'est quoi, ça? Arrête. Mais il est trop nul, c'est quoi ce Pokémon? C'est le Pokémon qui fait le plus peur du jeu, mais il fait rien. Il est trop nul. J'ai rarement vu un truc. C'est le plus grand flop de toute ma carrière, je pense. Je n'ai jamais vu ça. Après, je suis niveau 60. Oh non, c'est quoi ça encore? C'est une mono légendaire, en fait. Bon. Le problème, c'est qu'il est spectre. Donc, je peux pas trop envoyer Tatou, quoi. Attends, mais j'ai aucun switching, là. Ouais, oh putain. Il y a peut-être un monde où je tank et je me dis. Limite, ce que je pourrais faire, c'est. En fait, il doit être assez lent parce que c'est très très lent. Je pense là, il faut que je heal mon Vasilis. Migagron. Non! Oh no! Ok, on heal Migagron. On check un peu. Pas trop mal, pas trop mal. Ça, il doit pas. Il est pas tipsy. Il est pas tipsy. Mais par contre, il a sûrement lévitation. Bon, je le touche. Putain, mais ma meilleure attaque, c'est surf. Oh non, mais c'est une catastrophe. Mais en fait, c'est pas surf, c'est Rock Slide la meilleure attaque. Mais c'est très grave! Pas la speed drop. Non, mais c'est pas possible! Non, pas la speed drop! Flinch. Non, pas de crit. Oh
Je peux pas switch, les gars. Ok, ça va pas de speed drop. Tant qu'on se fait pas speed drop, on a plus que 5 pp de Rockslide. Ah, le problème, c'est qu'il va se heal. Putain, c'est trop dur. Tue. Il est sérieux ? Il a pas utilisé de PP ! Attends, quoi ? Mais merci à lui ! Bon, j'ai perdu des PP sur Surf. Pas très grave. Zap Cannon. Bon, déjà qu'il sert à rien, alors si en plus quand il sert, il peut miss. Oh! Non, mais ça va, ça team, je te dérange pas trop! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, là, je peux switch au moins. Normalement, Tatou maintenant, c'est une légende. Donc, il a pas Dragon. Enfin, je sais pas, V-Create. Après, normalement, V-Create, dans un. Putain, c'est pas effectif ça? Power gem. Safe. Heureusement que j'ai pas fait Earth Power. Oh putain, super effectif. Il est vol. Ok, c'est chill. C'est chill, les gars. On est chill. Notre seul ennemi, c'est tout rien, en fait. Non, en vrai, c'était très tendu parce que. Parce qu'il y a Minyuk, quoi. Ah, ça, j'avais oublié. J'avais oublié que ça s'appelait Gigantac. J'étais en mode quoi? Non, mais attends, c'est quoi ça? J'avais complètement oublié. Oh putain, je viens d'avoir une frayeur là. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain. Bon. Là, il faut qu'on soit intelligent, là, parce qu'on n'aura plus d'autres options. On n'aura pas d'autres options, mesdames et messieurs. Oh, mais check ma vidéo Pixel, c'était quand, ça? Le type insecte avec Gambex et top tier. Bah, ça va, il y a une vidéo de 2017 aussi, non? C'est les PP de qui, le problème, là? Ouais, je suis PP max un truc, au pire. Je pépé max quoi. Psycho. Ça on est safe. Bon après ça serait bizarre qu'on utilise autant de pépé. Utilise son super bon. Oh j'avoue. On utilise sur qui? On va utiliser sur... On utilise sur Vasilis les gars. C'est notre star. C'est lui le MVP. Sinon Elixir, c'est... Sur qui on a utilisé peu de pépé? Beaucoup de pépé? Hector je crois. Je crois que c'est tout. Ah oui, pépé de Migagron aussi. Sur Rock Slide. Ça a pas marché le truc des pépés sur Surf. Bizarre ça. Parce que là on est d'accord que... De toute façon j'ai plus grand chose. Hein. Ok. C'est maintenant les gars. Bon les gens qui me connaissent savent que j'aime bien perdre mes boss finaux. J'aime beaucoup aller jusqu'au boss final, mais j'aime bien perdre à ce moment-là. C'est ma spéciale. C'est littéralement ma spécialité. Bon là, le truc, c'est qu'on peut pas du tout anticiper ce qu'il va nous envoyer, quoi. C'est complètement random. Je lead quoi? Moi, je pense qu'on lead Vasilis, c'est safe, parce qu'il a un type, il a un typing... normal, quoi. Qu'il n'y a pas un boss final après, moi ça me va. Parce que j'aime bien. Je connais les jeux qui font ça, genre. Ah, mais en fait, non, ce n'est pas le boss final. Ah, j'attendais de te voir, Redrio.
Mon rival devrait être très fort pour me garder bien entraîné. Pendant que je travaillais sur le Pokédex, j'ai cherché des Pokémon très puissants. Pas seulement, j'ai aussi assemblé des équipes qui pourraient battre n'importe quel type de Pokémon. Et maintenant voilà, je suis le champion de la ligue. Redrio, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je vais te le dire, je suis le plus puissant des dresseurs dans le monde. Ça, c'était avant qu'il décide d'en faire une licence, malheureusement. Tu vas te faire ratio pendant de longues années. Oh, ils ont changé la musique! Ils ont mis celle de... Ultra Soleil. Dungeon. Oh, Dungeon and Dragon. C'est littéralement ça en plus. Il est ultra beau lui. En fait, c'est ça que les gens ils auraient voulu voir comme évolution sur un Solurdo. Malheureusement non, ça sera deux Solurdo pour vous. Ok. On est safe. On peut faire tri-attaque. On a tanké tellement bien. Il nous a pas flinch. L'indication incroyable. Magnifique. Il utilise déjà un full restore. On épuise la perfect. Quoi? Tri-attaque peut miss? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, me dis pas qu'il a des items ultra frauduleux là. Pas de crit, pas de crit. Vassilise. Je t'en supplie, joue. J'en peux plus. Tu me hint, là, j'en peux plus. Joue. Mais tu es la plus grande fraude de l'élite. Plus jamais je prends un Vassilis. Plus jamais. C'est le symbole de mes let's play. Donc à chaque fois je le prends pour faire plaisir. Mais là c'est fini. Le truc c'est que ça se trouve il est type sol quoi. Hector. Il a sérénité plus poudre claire. Non mais c'est quoi cette horreur? Me dites pas que c'est random ça. Non mais imagine il est type sol, faut que je fasse Will-O-Wisp. Ok, s'il a QR slash ça va, hein. Peut-être qu'il est genre... Bah non il peut pas être lock. Bon est-ce qu'il est type dragon ou pas? Nice. Ok, Dragon Rush ça fait pas très peur puisque dans tous les cas il est burn. Arrête d'avoir peur de séisme. Mais c'est pour ça que j'ai envoyé Hector. Mais t'es bizarre toi. Je dis, j'espère qu'il est pas type sol, j'envoie Hector justement parce que j'ai peur de ça, et tu me dis, arrête de... Non, c'est bon, ça m'énerve. Faudrait que je soigne Vassilis. En vrai, ouais, pour le coup, Vassilis est pixel perfect. Il fait que carry pour l'instant, donc ce serait dommage de pas le... Après, le problème, c'est qu'il va se soigner, quoi. Moi, je fais pas vraiment de dégâts. Ça sert à rien, ce que je fais, en fait. Ou j'envoie un Pokémon qui tank très bien Air Slash. En vrai, je peux envoyer Tatool. Il est pas type sol, donc vraiment j'ai rien à craindre. Putain, mais il se soigne tellement tôt! C'est quoi ça? Non, c'est le truc que tu fais quand t'as un point de vie, ça. Ok. Ok, pour l'instant tout va bien. Premier Pokémon de la PIA. Bien pété les couilles, j'ai perdu plein de potions. Mais on est là. Non mais j'en ai marre des Maganons par contre, sérieux. Est-ce que j'envoie Libérax? Pas de burn. Ouf. Putain, j'ai plus Telluriforce. Mais les gars, qui m'a dit Heatwave c'est mieux? Je vous disais tout à l'heure, Telluriforce c'est free win. Et les mecs étaient en mode non, spam Heatwave. Non, j'en peux plus, les gars. Oh, j'en peux plus. Free Quiver Dance. Non, c'est un Pokémon de type normal, les gars. Si ça se trouve, il a genre Body Slam.
Il fait one shot, je crois. Moi, je pense qu'on re-switch au cas où, tu vois. Imagine, il est bloqué, il est genre en slam, tu respects. On fait Dragon Pulse. J'ai trop peur, les gars. Je pense qu'il faut que je fasse Dragon Pulse. De toute façon, c'est le dernier fight. Ouais, j'en étais sûr. Oh, sa mère, le crit. Je crois qu'il est lock. Oh, mais putain. J'ai rarement vu un mec aussi insecure. On va refaire un Dragon Pulse. Et après, si on voit qu'il fait toujours de la merde, on fait Quiver Dance, je pense. Ok, j'en étais sûr. Ouah ! Après, Trash, il est bloqué sur Trash, non ? C'est Mania Trash. Non, mais je vous ai dit, ça servait à rien de ce setup quand, tant qu'on n'a pas le Moufoul. On va sur Hector. Je quitte Trash. J'ai la ref. Magnifique, Hector, mesdames et messieurs, est incroyable. C'est une légende. Oh non, pas lui. Oh non, niveau 64. Oh, alors lui, il m'a ratio tellement dans le let's play. Il m'a tellement pété les couilles. C'est à cause de lui que le premier live a duré 6 heures. Après, en théorie, Tatou, il s'en branle complètement, non? Mais même lui, il s'en fout parce qu'on est... Enfin, je pense... Je peux faire feu follet, hein. Ok, on a pas mis, c'est nice. Il a fait bounce. En vrai, ça me tue le ronflex pom pom girl. C'est archi drôle. Qu'est-ce que je fais? J'envoie tatou ou je reste? Ouais, je peux rester. Il est quoi? Il est type plante normal. Ouais, non, c'est de la merde. On peut aller sur. On peut aller sur tatou. Hein. J'aurais dû soigner en fait là. Là, j'aurais dû heal. C'est de la merde ce que j'ai fait. En plus, je vais me faire para tout le monde. 100 000 euros, je vais me faire para. Ah non. 100 000 euros que je vais me faire para, mais c'est moi, je pariais que j'allais pas me faire para. Donc, vous me devez 100 000. Psycho, j'ai plus que 8 pp. Ah ouais, non, mais là, par contre, c'est ridicule. Oh, la spell rope! Oh, c'est big! Putain, il a full restore le feu follet. Alors qu'il avait 1 point de vie. Enfin, 1000 points de vie. Ok, mais il spam boons. Par contre, c'est chiant qu'il spam boons. Je perds mes pp. Mais attends, mais il est insupportable ce Pokémon. Heureusement que j'ai spé drop. Papa. Nice. Bon, là, il doit plus avoir de full restore, je pense. C'est quoi ça? Oh non, j'ai perdu Sturdy. Comment vais-je faire? Ok, c'est bon. Lui, c'est déjà ça, c'est fait. Pas convaincu par le design, par contre je suis convaincu qu'il risque de me ratio là. Bah attendez, mais c'est quoi mon switching à ce truc? Parce que s'il a Tailor Effort, je suis finito là. Ah, il a bien bronzé le Kikli. Hein. Après, il est forcément type combat, donc je peux taper Psycho en théorie. Oh, méga kick. Non, ça devrait aller, je pense. One shot, one shot, one shot, one shot, one shot. Non. Oh, le speed drop légendaire. Oh sa mère, j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux. Le River Soul, j'avais pas vu venir. C'est Mentally. Il peut avoir Shadow Ball. Il peut avoir Dance Slam. Faut que je me heal là. Ça le plaît, hein. En fait, il a l'air si nul, mais moi, je sais qu'il faut pas se... J'ai rarement vu un Pokémon autant faire autant de dégâts que son design, en fait. Attends, j'ai plus de psycho ? Mais non ! Je crois qu'il m'en restait genre deux !
Oh non, 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 non! Non mais oui, il avait pris sur le QRM. Oh, je suis trop con! Après, vu les dégâts nuls qu'il vient de me faire, en théorie, je peux switch. Moi, je pense que Migagron, on l'a vu 3 fois dans le live. Non, j'ai plus d'élixir. Après, ça va, là, on va le dépasser, on pourra bug buzz. Faut que je fasse gaffe, quand même. Bug buzz. Oh putain, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était genre tout ou rien. Passe niveau 67 peut-être. Non. Un poké. Ça c'est le boss final. Ça c'est le boss final. Mais Gigancel, tu es ridicule. J'ai la cape obscure dans ce fight. Allez Migagron, tu es la légende de notre équipe. Tue-le. Ta. Ah, si m'avait flinch, ça aurait été un petit peu anticlimactique. Oh oui, Migagron, mais quelle légende! Mais en fait, cette team, c'est full banger sauf Krustos. Bon, dites-moi qu'il n'y a pas un fight après. Comment c'est possible? Tu as battu mes meilleurs Pokémon après tout ce travail pour devenir le champion de la ligue! Comment ai-je perdu? J'ai jamais fait aucune erreur en élevant mes Pokémon. Redrio. Migagron, en fait, on savait pas, mais c'était lui le starter. Bah, en vrai, c'est un peu lui le starter, quand on y réfléchit bien. Je sais même plus qui est mon starter. En vrai, j'ai aucun souvenir. C'était qui mon starter dans cette run? Parce que j'ai fait tellement de runs au début, parce que j'ai fait que perdre. Ah oui, c'était Trunja, non? Ah non, c'était Mona Flegon. C'était Mona Flegon, c'est vrai. Bon, là, malheureusement, dans le Panthéon, on va voir Krustos, je crois. Il mérite pas, hein, je vous le dis. Vassilis, est-ce qu'on considère qu'il mérite, franchement? Il a quand même... Non, je sais... Est-ce qu'il a fait un truc dans le live? Il a rien fait. Il a fait que flopper. En vrai, le crack, c'est vraiment Tatou. Hein. Tatou, sans lui, je pense qu'il n'y a pas de ligue. En vrai, nos trolls, la ligue est impossible sans Tatou, genre. C'est littéralement impossible. Hector, ouais, Hector, il était là, quoi. Il était là pour checker les attaques de type sol. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique. Bon, en difficulté hard, j'aimerais presque... Je sais pas si c'est possible de changer la difficulté. Genre, est-ce que là, c'est possible de changer la difficulté et refaire la ligue? Après, je pense que la ligue va être en mode beaucoup plus dur. Il y aura des niveaux plus élevés. Non, mais en vrai, Krustos, vous savez qu'il n'a pas été si nul. Parce que si il avait pas pris de Final Gambit, c'était un autre de mes Pokémon qu'il prenait. Et tous les autres Pokémon ont été utiles. Donc on a beau dire, il a pris une balle pour la team, quoi. Le plus gros challenge, c'est Red. Mais c'est moi, Red. Oh, attendez, est-ce qu'il y a mon pseudo? Parce qu'en gros, j'ai un pote qui connaît le... qui connaît un gars qui... Sa sœur a travaillé dans l'équipe. Non. Bon, ça m'étonne pas de vous. La gratitude dans ce genre de projet. Ouais. Est-ce que demain tu live le Pokémon Direct? Demain, je stream à partir de 13h30, un truc comme ça, 14h. Et ouais. Bien sûr, bien sûr. Je pense pas que je sortirai de vidéo par contre. D'ailleurs, vous avez kiffé ma vidéo sur la roue Pokémon? C'est la première fois que je tentais un truc comme ça. Je la trouve bien, la vidéo. Maintenant, je pense que ça va pas trop marcher, mais je l'aime bien, quoi. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y aurait pas de roue cette semaine pour ça, quoi. Je voudrais faire plus de compétitions de stream comme ça. Bah le problème c'est que ça me prend énormément de temps quoi. Ça, j'ai commencé genre il était 11h du mat, j'ai fini il était 20h. Bon, c'était un peu long. Du coup, bon. Je suis pas sûr que je vais faire ça souvent. This is a non-profit fan-made game. Ah bon? J'ai pourtant gagné des subs moi. Ou est-ce qu'on fera Johto? Mais en fait, j'arrive même pas à comprendre ce que c'est Johto, vu que Red, c'est nous. Attends, on a une sœur, non? On a une sœur, nous. Johto du passé.
Bah ouais, mais il y a forcément Red s'il y a Johto en fait. Du coup, c'est peut-être pas Red, c'est peut-être un autre personnage. Go Battle le Forêt. Bah là, je peux pas trop. Hein. C'est loin quoi. La meuf, c'est Leaf, ouais. Ou Blue. Je sais pas comment. En fait, ça dépend comment tu l'appelles. Elle peut s'appeler Leaf, elle peut s'appeler Green, elle peut s'appeler Blue. Le nom officiel, je crois que c'est Leaf. L'histoire sur Johto et l'autre du Mont Silver est assez insane. Ah ouais? Genre, il y a une vraie histoire différente, c'est pas la Team Rocket qui revient et tout? Ok. Je sais même pas où est-ce qu'il faut aller du coup, genre. Vu qu'on est à... En fait, c'est trop bizarre d'aller à Johto en partant de Kanto. J'ai l'impression de jouer à Pokémon Revolution Online. Il faut peut-être déjà aller voir le professeur Shen, il va peut-être me donner des trucs. Prendre le train à Safania. Ah oui, ok. Un Pokémon plus puissant que tous les autres. Mais non. Ah, il y a une histoire avec un Pokémon légendaire de fou. Faut que j'aille au laboratoire du professeur Orm. Elle en a pas marre de regarder le mur, elle. Méga Gigancelle. Mec, en vrai, ce serait quoi la meilleure fusion pour Gigancelle? Avec quel Pokémon il pourrait vraiment aller? Mais j'ai trop envie de voir la fusion entre Gigalith et Gigancelle, en vrai. Oublie pas de déposer Krustos. C'est vrai. C'est vrai que Krustos ne fait plus partie de la team. Tu n'es pas avec nous. Mets-toi là-bas. Du coup, faut que je vole à Safrania, c'est ça? Oh, mais non, mais j'ai plus vol! J'ai plus vol. Faut que je remette vol. Bah en vrai, feu follet a quand même carry. T-Wave par contre c'était pas fou. Prends Braguette pour remplacer Krustos. Ah mais oui, faut que je change de poké du coup. En vrai, qui mérite d'en... En vrai c'est Panard. Hein. Panard il était quand même là, tu vois. On a beau le critiquer. Il a fait du sale boulot. Hein. Après là on va avoir des nouvelles zones en théorie. Après, je suis pas sûr que je vais vraiment continuer, hein, ça va dépendre de si c'est marrant ou pas. Hop. Tu peux te voler directement à Johto. Ah bon? Ah, mais j'ai un œuf aussi. Peut-être qu'on regarde ce qu'il y a dans l'œuf quand même. Je vais coucher, je fais quoi là? Ah oui, je vire Krustos. Tu peux voler à Johto. Ah bah oui, mais je peux faire ça. Bah, je vais prendre Panard pour l'instant. Non, en vrai, je vais prendre l'œuf. Putain, il est doré l'œuf! C'est quoi ça? C'était quoi le pic de viewer? Je sais pas, je regarde pas moi. Ça fait très longtemps que je regarde plus les viewers. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que ça servait à rien de regarder le nombre de viewers d'un stream, parce que ça ne sert à rien en fait. C'est à. Ça n'a aucune valeur si ce n'est l'ego quoi. Du coup, on m'a dit d'aller à Johto. Je peux pas aller à Johto, tu me racontes. Ah si, je peux aller à. Attends, quoi? Attends, mais je me TP directement à l'autre bout de Johto, là. Mais si je fight un mec, ils vont être niveau 70, non? J'ai très peur. Bouge, 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 bouge. Bouge! Eh oh! Mais attends, mais elle se fait exprès. Voilà, merci. Non, mais allez, c'est bon, les snipers, là. On est où, là? C'est Hitman ou quoi? Niveau 36? Oh, bah ça va! Basilisk qui va enfin pouvoir faire quelque chose. J'y croyais plus. Oh. Pas mal. Oh, j'ai eu très peur. Mais bon, explosion, ça ne fait plus peur à personne depuis 2014 maintenant. Par contre, il y a trop de dresseurs là, c'est trop chiant. Ils se sont préparés pour me face ou quoi là? Oh gros Grigus! Gros Grigus, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il devrait pas mourir de discharge, je pense.
Pourquoi y'a un mec qui vient m'agresser là? Bah il a... Wow, alors lui, c'est un papillon, il a taffé les biceps, il a travaillé les biceps. Il a préféré se suicider qu'il était dans ta team. C'est 100% réel apparemment. Oh, il est trop mignon lui. Je trouve que les évolutions, enfin les fusions de Nosferapto, Nosferalto, Nostanfer et compagnie, elles sont super stylées. J'ai pas compris. Hein. Mais je suis censé faire quoi du coup? J'ai pas compris. Genre je suis à Johto et c'est tout? Ah non, il faut que j'aille voir le professeur Orm, ils m'ont dit. Attends, mais je suis tellement loin du professeur Orm. Mais c'est pas là, je suis 100%, c'est 100% pas là, les gars. Le professeur Orm n'habite pas du tout là. Il habite genre là. Je vais aller, je vais d'abord aller à Victory Road. Hein. Ah, je peux pas. Je fais comment pour aller là? C'est par là-bas, peut-être. Je vais être sur le bon chemin. Ah bon? Oh, je suis pire là. Ah, j'étais vraiment sur le bon chemin. Oh merde. Ah non, mais il fallait peut-être que j'aille vers le bas sinon. J'ai pas regardé si je pouvais aller vers le bas. Non, mais sérieux! Ah, il y a un côté sympa de faire Johto sans être gold, je trouve. C'est sympa, mais par contre, tous les Pokémon sont niveau 40, je vais juste rouler sur le jeu, non? C'est pas très drôle d'avoir un mini-dresseur. Oh, le retour de Grogrigus. Bon, tu vas pas faire curse, cette fois-ci. Bon. Il y a volonté de me nuire, là. Oh, Vigoiken. Non. Oh, j'ai eu un super surprise. Je crois pas que ce soit par là, en vrai. Si on réfléchit logiquement... Est-ce que c'est plus long de faire clac, puis clac, puis clac, puis clac? Est-ce que c'est plus long de faire clac, 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 clac? Non, non, c'est vers le haut en fait. 100% vers le haut. Hein. J'ai fait 10 ans de natation. Ça n'a pas de rapport, mais... C'est par le bas, en haut, tu ne peux pas passer. Ah bon, c'est vraiment par le bas? Merde. Alors pourquoi tu m'as dit que j'étais sur la bonne route tout à l'heure? Essaye une arène. Ah mais oui, il y a les arènes en vrai. En plus, du coup, ils sont niveau 30, donc ça devrait être facile. Oh bah oui, bah ça va, mais fallait me le dire qu'il fallait faire ça. C'est quoi ça? À vue de nez. À vue de nez, 11. Ah. Allez, 8. Je suis le meilleur joueur du monde! Je suis le meilleur joueur du monde! Oh, let's go de rien! Ok, cette fois-ci, je fais attention. Mais du coup, je vais plus y arriver maintenant. Oh, il y en a 7, ça va, c'est facile ça. Non! Le trap de fou! 4. Putain, mais c'est quoi ce truc là? Il te trappe de fou! Oh les chiens! Oh, niveau 46, c'est easy. Alors, ça va être un full Vasilise. Peut-être ralentir le jeu. Ah, mais oui, je suis en accéléré! Je suis trop con! En fait, c'est pas si dur, je pense. Je pense que c'est vraiment pas si dur en fait. C'est vrai que moi, je suis en full accéléré. Après, c'est plus drôle en full accéléré. Parce que, attendez, du coup, ça ressemble à quoi, un zéro accéléré? Non, mais ils m'ont pris pour un débutant ou... Ok, c'est pas si simple. C'est pas si simple. J'ai déjà tout oublié. J'ai déjà tout oublié.
5, je crois. Yes! Ok, let's go! Bon, allez, on va faire briller un peu Libérax, là. Blablabla. Les golems qui ont dit 4. Non, mais en vrai, c'était pas si simple. En fait, quand tu sais pas sur quoi te concentrer, je trouve que ta concentration, elle part partout. Et si elle part pas au bon endroit, bah c'est mort. Niveau 55 ? J'ai un 9 dans ma team ! Personne m'a prévenu ! Oh, il a... Ça, c'est pas le... Pas le bon talent à avoir. Ah, attends, par contre, j'ai oublié de racheter les potions. Bon, là, c'est juste un sweep. Hein. Y a un bug à chaque fois que je clique un move ou... Attends, mais Libérax, t'aurais dû faire ça depuis le début en fait, c'est broken. La ligue aurait pu être bien différente. Alors lui par contre, il est passé de Reshiram à un lapin lapin mutant, genre. Peu de respect, quoi. Likimim. Oh non. J'en reviens pas qu'on ait enlevé Earth Power. Plus jamais je vous écoute. C'est tellement chiant, Heat Wave, ça sert à rien. Donc, il faut reprendre tous les badges et après aller fight raid, c'est ça? On va quand même aller voir ce qu'il nous veut, professeur Horn. Ouais, on va se soigner avant. Rien que l'œuf, il est close quand même. Je pourrais apprendre au centre Poké. Ah, mais oui, j'avoue. Tu vas voir que le prochain fight, on va avoir besoin d'Heat Wave. Putain, j'ai 40 000 euros, mais la ligue, ils sont riches. Autant refaire la ligue une deuxième fois, non? Bah, pour être encore plus riche, tu veux dire? Bah, sinon, ça a pas trop d'intérêt. Par contre, les fights, c'est un peu osef, là, je trouve. Hein. C'est un peu nul d'avoir mis des fights niveau 40. Parce que ça te donne même pas d'XP. Je viens d'apprendre que demain, je peux dodo, je sors de l'ombre. Respect, mec. Vous attendez quoi du Pokémon Day en vrai vous? Moi j'espère que la grosse annonce c'est pas Donjon Mystère, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. J'espère vraiment que ça va pas être Donjon Mystère parce que franchement... Non, le boss final qui est revenu. Bon lui je le capture pas, il est trop moche. J'attends pas Rédemption vu qu'il est pas invité. Ah ouais franchement je leur... Wouah il est tellement beau, pourquoi j'ai pas eu ça? Pourquoi ils m'ont donné un vieux mutant alors que j'aurais pu avoir ça? Oh, je suis tellement énervé, je le tue. Oh, je suis dégoûté. Fait quoi ou un sécateur l'autre? Je sais pas, je le laisse dans son délire. Ah, demain on aura forcément l'annonce des DLC. Parce que de toute façon, c'est déjà préparé depuis 6 ans ça. Moi j'ai une théorie, c'est que les DLC ils sont déjà finis lors de la sortie de la 9G. Ils auraient pu les mettre dans le jeu de base, mais ils se sont dit on va faire semblant qu'on est, on est encore en train de faire des trucs alors qu'on est au bowling. Enfin bon. Donjon Mystère, mais une révolution du gameplay. Ouais, c'est vrai que Donjon Mystère, en vrai, ça pourrait potentiellement être bien. Si le gameplay devient intéressant. Et que l'histoire est moins niaise. En soi, c'est why not, hein. Le concept de Donjon Mystère, en soi, est vraiment pas mal, je trouve. Le fait de devenir un Pokémon, ça crée plein d'enjeux et tout. Bon, par contre, s'il vous plaît, j'ai le droit de marcher ou... Parce que j'ai vendu mes repousses, en fait. Un autre Pokémon Legends. Oh putain, il est trop stylé, lui.
Ouais, Pokémon Legends, ça serait bien qu'ils en refassent pas dans avant 10-15 ans, comme ça. Comme ça, ils auront peut-être le temps de devenir forts. Non, me dis pas que depuis le début, il faut que j'ai coupe. Là, je vais apprendre coupe à un Pokémon, là. Migagron. Après, Migagron, est-ce que j'ai beaucoup utilisé Rock Slide? Oui. Bah, tu vas prendre coupe. Hein. Tu as vaincu les plus grands dresseurs du monde. Tu as réussi à terrasser les Pokémon les plus terrifiants. Tu as vaincu les ténèbres ainsi que l'atmosphère. Mais peux-tu faire face à ce petit sapin? Il faut absolument couper pour passer dans la forêt. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu puisses. Oh mais c'est quoi cette forêt infinie? Nouveauté sur Pokémon Sleep. Ah j'avoue, Pokémon Sleep. Ils se sont endormis les mecs qui ont développé le jeu ou quoi? Allez, allez, Matic, on a compris. On y est presque, les gars. Mais attends, mais l'armée de dresseurs qu'il y a, c'est très grave. C'est une arène, ça? Pourquoi une arène? Ah mais non, c'est une ville. Je suis dans une ville. Elle a un peu changé la vie, hein. Ah mais il y a une inondation. Moi je croyais que c'était un petit... Je sais pas, je croyais que c'était le style de la ville quoi. Genre Venise. Est-ce qu'on prépare le bingo? Bon alors, on fera le bingo demain matin je pense. Vous pensez que ça va être un gros truc ou... Moi... Enfin, vous dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils font vraiment un truc ultra hype pour le Pokémon Day. J'ai l'impression que cette année, elle... alors que pourtant 27 ans c'est OSEF, non? Je comprends pas trop pourquoi cette année c'est genre un truc de fou. J'en sais vers quoi là. Y'a un truc là. Bon là-bas. Mais. Y'a pas un mec qui peut m'aider là. Je pense surtout qu'ils vont annoncer la nouvelle saison animée sans Sacha. Oh non, ça va être chiant ça. Avec la nouvelle mascotte Capitaine Pikachu. Ok, nous avons enfin changer l'animé. Je vous jure, ça n'a plus rien à voir. Le personnage principal ne sera plus Sacha. Ce sera Pacha. Et attention, la mascotte, ce ne sera plus Pikachu. Ce sera Capitaine Pikachu. Et alors, bon, les héros, on a vraiment fait un truc complètement original. Les potes de Sacha s'appelleront Fondine et Dier. Je vous jure, on est complètement fous. Là, dans la team, on est des malades. On va aller voir dans la maison du mec, là. Mon nom est Kurt. Putain, il s'appelle Kurt en anglais. C'est pas ouf. C'est tout? Mais attends, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Vous m'avez menti, ça se trouve, je suis pas censé être là. Hein. Oh! Il me fait avec lui maintenant. Avec son Arbas niveau 49 là. Ah, si tu veux voir Suicune, mon gars, va falloir faire mieux. Ok. Ok, merci à lui. Ah mais l'histoire est complètement différente en fait. Et ça n'a servi à rien, super. Bon maintenant je peux peut-être pas aller à Kurt. Ah oui. Oh je peux apprendre Dive maintenant. Non mais par contre il y a un Pokémon dans ma team qui apprend Dive. Ah bah oui sûrement Migagron. Oh Migagron non. Oh non, Migagron, je suis désolé, mais ce qui va t'arriver est terrible. Tu vas devenir un castor no 4G, mon gars. Je suis désolé, mon pote. Attends, y'a pas un monde comme quoi j'ai plus besoin de surf maintenant? Je crois qu'il y a, j'ai plus besoin de surf. Ouais. J'aime trop cette musique. C'est une zone ou quoi, ça? Bah, apparemment, il n'y a même pas de Pokémon. On va se faire quoi? C'est pas là, apparemment. Peut-être qu'il y a un truc avec force? J'ai encore pas. Non, bon, je suis désolé, mais à un moment. Migagron, faut aller se faire foutre.
Oh ouais, j'enlève cut. Non mais attends, les Migagons, ça va devenir un CS Slave, mais par intermittence. C'est un nouveau concept. Ça n'a rien fait. Ah ! Faut que je pousse les ramolos et que je les remette là-bas, c'est ça ? Non. Ah, peut-être qu'il faut... Je ne comprends rien. Peut-être qu'il faut que je mette les ramolos dans la balle. Oh ! Oh, c'est ça ! Incroyable ! Mais l'énigme est extrêmement dure. Ok. Ça va les ramolos, je te dérange pas trop. Bon, c'est trop dur par contre, c'est insane. Ça va, non, on va faire semblant qu'on avait pas envie de bouger lui, on voulait bouger lui nous. Mais en vrai, vous savez que c'est un de mes seuls défauts. Genre un jour, j'avais un rendez-vous Tinder et la meuf m'a dit « Mais c'est incroyable, t'es beau, t'es fort, tu fais du sport, t'es intelligent, t'as un métier de rêve, t'es riche. T'as forcément un défaut, tu vois. » Moi, je lui ai dit oui. Les énigmes avec les trucs où il faut faire force dans les jeux Pokémon. Je suis nul. Ok, attends, réflexion. Lui, il faut forcément le... Déjà, on n'a pas le choix, faut forcément le pousser vers le haut. C'est obligatoire. Ensuite, tu pousses ça. Ensuite, tu le remets vers le bas. Voilà. Ensuite, tu fais ça. Attends. Si je fais ça, derrière, je vais faire ça. Et après, je pourrais plus bouger. Donc, c'est attention, ne pas faire ça, c'est une erreur. Donc il faut. Non, c'est ça. Je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je vais là-bas. Tac, tac, tac. Non, c'est bon, je peux encore y aller. Ok, on progresse. Ensuite, lui, il faut le dégager. Genre, comme ça. Comme ça, tu pousses lui vers là. Ensuite, comme ça. Tranquille, comme ça. On y est presque. On est en train de faire de grandes choses. Et on fait ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on va là-bas. Non. Pas après tout ça. Let's go, putain. Allez, je suis sûr que ça prend des heures à faire ça, normalement. Attendez, c'est pas fini. On peut encore se sauver. Voilà. Putain, mais de rien, les gars, de rien. Easy, putain, c'était si simple. J'ai rien compris à ce qui se passait, par contre. Notre rôle. Je sais pas si quelqu'un a compris. Je sais pas pourquoi on a poussé des ramolos dans des trucs, je sais pas. Clipper. Ouais, je veux bien le clip en vrai. Avec un peu de montage, j'aime bien faire un truc très drôle. Ok, merci Kurt. Kurt, on dirait trop un nom de personnage d'une série de policiers, tu vois. Capitaine Kurt. On dirait du Star Trek, je sais pas pourquoi. Nice. Bon, du coup, on peut aller à l'arène maintenant, c'est bon. Ah, bah voilà. Une sirène.
sais pas pourquoi je m'attendais à une arène spectre. Oh, c'est quoi ça? Faut faire quoi? Encore une énigme, mais par contre, on en peut plus là. Ça va. J'allais dire, on a pas 8 wave, mais c'est bon, on a bug buzz. En fait, c'est imperdable parce qu'ils ont, 20 levels de retard. Il y a un moment où les niveaux deviennent normaux. Ah non, mais c'est les boss. Les boss, ils ont des niveaux normaux par contre. Oui. What? Ça a fait quoi? Ça a fait cling. Quelqu'un a compris ou. What? Il me dit un truc lui? Faut cliquer sur l'étoile dans le bon ordre. Ah ouais, il y a un truc d'ordre! Je comprends pas, j'ai cliqué sur toutes les. Oh, il faut d'abord cliquer là-dessus, et après faut la bonne. Ok, ok, j'ai compris. Ah, il aurait fallu qu'on ait Heatwave, mais bon. Que voulez-vous? Après, je pense que ça devrait passer, on a vraiment une bonne team pour le coup. Elle fait peur cette fusion. Non. Liberax, non, je ne peux pas croire que tu sois mort. C'est comme si la statue de la liberté s'effondrait, genre. Non, je dis non. Putain, pas Liberax contre Mono Insecte. On avait Free Cooler Dance, on pouvait pas perdre un fight contre lui. Oh là 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 là, mais là je suis effondré. Moi je propose une fin du Nuzlocke pour pouvoir récupérer Liberax. Mais c'est quoi ce putain d'épreuve de merde? En plus j'avais même pas besoin de le fight lui. Et là ça ouvre du coup. Oh non mais dis pas, faut que je recommence. Non mais c'est quoi? Qui a eu l'idée de cette merde? Qui s'est levé un matin et s'est dit ça va être ça? Non mais attends, me dis pas que... me dis pas que c'est encore la même chose derrière. Bon. Là, je vais tout détruire avec Hector. Là, Hector, ça va être... ça va être une vengeance. Ok. Attendez. Putain, mais laisse-moi tranquille! Il faut réfléchir. Dans un jeu, par pure logique, il mettrait quoi en premier? Ça paraît logique qu'il mette le milieu en premier. Non, ou en dernier. Premier ou dernier? Moi, je suis un pro des QCM, donc je connais un peu ça. Je dirais qu'il... Quand même le milieu en premier. Putain... Ah, ils connaissent. C'est des pros du QCM aussi. En gros, ils ont fait semblant que c'était totalement logique pour, en fait, bait, et en fait, c'était pas logique. Du coup, c'est forcément le dernier en premier. Non! Ou alors, c'est le premier en premier! Oh, ça serait du génie! Oh, les génies! Ils savaient qu'on allait jamais penser que ça allait être le premier en premier. Oh, ils sont forts. Non, franchement, respect. Allez, franchement, respect. Est-ce que c'est des génies jusqu'au point de mettre 1, 2, 3? Non, ils sont pas à ce point. Voilà! Je vous ai eu à votre propre jeu.
Allez, go. Putain, j'en reviens pas. Libérax, c'est mort. Après, s'il n'y a pas de prochain épisode, on s'en fout qu'il soit mort. Oh putain. Je ne critique pas le design, je critique pas le design. Il est très beau, il est très beau. Yano. Ouais. Mais comment ça Kuba? Il y a aucun des Pokémon qui a Kuba là. Ils ont inventé le Kuba. Galvantir, genre il y a Pinsir et Galvantula. Il est où le Kuba? Il y a pas de Kuba là. Ça serait si Mega Scarabrut il avait Kuba quand même. Bon, Galvantula, j'imagine qu'il a pas de Kuba parce qu'il a même pas de bras donc. Mégagron, Mégagron, le crack! Je vous ai toujours dit, lui, il survivra toujours! Lui, il survivra toujours! Tu peux faire ce que tu veux à Mégagron, il mourra jamais. Non, par contre, il a une méga Scarabrut team, là, c'est très grave. Tatou, tatou! Yandra. Attends, mais ma team est finito là. Faut que je me heal. Fin du Nuzlocke. Non. On est safe. On est pas safe. Pas de speedrun. Pas de crit non plus! Fais U-turn, allez, vas-y. Ok. Ah mais Kuba. Attends, mais what? Je pensais pas qu'ils avaient rajouté des moves. Oh, j'ai eu couvert danse. C'est un signe pour quelque chose, ça? Voilà, Scarabrut, il a Kuba. En vrai, tu me dirais, Mega Scarabrut, est-ce que t'as vraiment des raisons de jouer Kuba? Ah, c'est Megavolt qui a Kuba? Sérieux? Il a même pas de bras. C'est très très grave. Bon, l'œuf il est clos un jour. Hein. Oh non, mais Sandrio, on t'a déjà en fait. Ah non, mais putain, mais Libérax il est mort. Complètement oublié moi. Libérax, il a cru qu'il pouvait revenir comme ça, là. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. On n'est pas dans Marvel. Hein. C'est pas le MCU, ici. Hop, du gage dans l'enterrement. Qui est mort, aussi? Hector. Après, Hector, bon, je suis désolé, mais ceux qui regardaient le film 3, ils savent. Et c'était fini. Bon. Ah, Panard, hein. Panard et... Et Garest. Là, la team qui a déjà un tout petit peu moins de flow, on va pas se mentir. Là, c'est une zone, ça, non? Un petit peu gestiné, là. Non. Franchement, non. Franchement, non. Je refuse d'avoir un Trioxydre quand tu le regardes, t'as envie de faire... Ouh, mais... Hop. Kabochian. En évoluant, il doit être stylé. Oh mais putain, il y a toujours des trucs dans ce jeu. C'est incroyable ce monde dans lequel, genre, à chaque fois qu'il y a un problème, plus personne peut rien faire.
Sucker Punch de Galvantula, 12 minutes 56. Salut à tous, on est de retour sur la chaîne Le Pote de Filong. Et je dis quoi à ce moment-là? Vous le savez, c'est une chaîne où j'aime bien. Ça tue. On a eu des min-rolls, mais on a eu des max-rolls, donc au final, ça se compense. Et bah, ça sent la win. Ça sent la win, c'est vivant. Alors pourquoi il envoie Galvantula? Parce que là, Galvantula va jamais tanker. Oh non! Alors celle-là, je m'y attendais pas. En vrai, c'est vrai que Galvantula a tellement le. Ah, ça va bien, putain. Au moins, on change pas. Hein. On se revoit dans un an. Kektong. Mais par contre, c'est très grave comment il a retrouvé en une seconde une vidéo où il y a un mec qui fait combat contre moi. À quel point t'es un psychopathe? Ça m'inquiète là. Oh, trop stylé! Patrick! Mais c'est incroyable! Je colle les crits comme je colle. Je sais pas. Au moment où je dis pas de crit, il y a un crit. Instant. Vasilis n'a jamais eu le download dans Spell Attack. C'est vrai, c'est unlucky. Oh, je suis niveau 69, mesdames et messieurs. La trick! Un petit Pokéball. Oh là là, mais laissez-moi tranquille. Smergle. Toujours en mode. Il a fusionné avec lui-même ou... Attends, tu peux fusionner avec toi-même? C'est possible ça? Putain, incroyable, c'est la toute première fois qu'on voit ça, je crois. Putain, il est archi beau en plus. Ouais, je peux pas aller là, je crois. Je dois aller où, là, votre ami? Je sais même pas où je suis, c'est très grave. Hein. Pas la moindre idée où je suis. On va éviter les dresseurs, hein, c'est pour se prendre des Metal Burst. Fusion avec soi-même donne le skin des méga. Ah ouais? Trop stylé. En vrai, ce jeu est tellement ouf, je trouve. Franchement, c'est le meilleur fangame que j'ai fait. Hein. Y a pas trop de rajout nul pour rien. Y a pas d'histoire cringe. Le concept est incroyable. T'as un milliard de sprites ultra bien faits. T'en as des moins bien faits, mais... Genre lui. Mais... Non, ça suffit maintenant. Merci. Il aurait pu faire Metal Burst lui aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a des Pokémon. On a des autres Pokémon maintenant. Oh, Clancel. Attention à ce que tu dis, sinon tu vas te faire Clancel sur Twitter. Vous l'avez ou pas? Et Discharge, ça devrait faire mal. Oh, il m'a fait Discharge avant que je fasse Discharge. Il m'a dischargisé. Ok. Je sais toujours pas où je dois aller, mais j'y vais. Ça va sûrement être par là. Oui. Je crois que j'ai l'édit regardé 3 ou 4 fois toutes les vidéos de raid. Attends, mais du coup, quand je t'ai perdu ma ban pendant 6 mois, t'as survécu? Non, tu t'es pas... Non? Parce que c'est inquiétant quand même. Après, ça me fait plaisir, hein, franchement. S'il y a des gens qui regardent plusieurs fois mes vidéos. Je sais pas s'il y a des. En vrai, j'ai énormément regardé les vidéos de Kemar. Il y a des vidéos de Kemar que j'ai beaucoup regardées pour le coup. Et genre. Un mec regarder toutes ses vidéos plusieurs fois, ça me paraît impossible quand même. Si, le pote de Filong. En vrai, le pote de Filong, c'est assez insane. Allez, oui. Les best-of, je les ai saignés. Ah ouais? En fait, moi, vu que je ne consomme pas mon propre contenu, je suis incapable de dire si mes vidéos, elles sont bien ou pas, tu vois. Je suppose qu'elles sont bien, mais... Je sais pas si elles sont... Enfin, je sais pas si vous kiffez vraiment en les regardant ou... Non. Oh,
Après, il y a des vidéos où je pense qu'elles se regardent plusieurs fois, genre. Top 1 ladder. Non, zéro kiff. Ça m'étonne pas de toi. Je suis niveau 70 avec Vasilis, hein. C'est notre nouveau Si je fusionnais avec moi-même, je serais exactement le même? Ou je serais encore plus puissant? Ou je serais encore plus nul? Comment ça se passe? Est-ce qu'un jour on pourra fusionner les êtres humains? J'en sais rien. Je sais pas si c'est une bonne chose qu'on puisse. Hein. Y a des mecs qui ont fait un truc bizarre. Oh, je suis passé de l'autre côté! Incroyable! Merci, Ethereal! Il battait plein de fois les pokés des abonnés, mais juste pour l'intro. Imagine tu fusionnes avec ZFE, quel enfer. Non mais après ça va, si c'est genre la technique de la fusion classique, mais imagine si les potes à la genre. Là c'est le Noki. Bon par contre, download c'est un peu chou. Alors, ce qui s'est passé est très simple. Je croyais que j'étais contre un dresseur. Je croyais que j'étais contre un Pokémon sauvage, j'ai FF du coup sans faire exprès. Bon, ça ne compte pas, je vous rassure. Mais j'étais persuadé que j'étais contre un Pokémon sauvage. Du coup, j'ai fait fuite, quoi. En mode safe. J'ai spammé le bouton A. Oh non, mais par contre, j'étais à la fin de la grotte. J'étais à la fin de la grotte. J'ai envie de me suicider. J'ai envie de me suicider, je vais acheter des repousses. Oh mon dieu, j'en peux plus. Je vous jure, j'en achète 20, 30. Allez hop. Mais il faut que je refasse le truc sous l'eau! Non, me dis pas qu'il faut que je fasse. Non, j'ai eu peur. Imagine, il fallait que je refasse les flags à 12. Genre. Ça va, parce que dans ce jeu, il y a un système de. Un système de proposition quand t'as fini, genre. Non, mais c'était pas du tout par là! N'importe quoi. Chat complètement... golémique. Non, mais j'étais de l'autre côté tout à l'heure. Après ça va, quand t'as pas de Pokémon sauvage qui t'agresse, ça va vite. Hein. En fait, je suis déjà revenu. Hein. Franchement. Je suis déjà revenu. Hein. Non, mais je l'avais pas fight lui. Sens de la direction de Red, c'est insane. Ah, pour le coup, j'ai pas un si mauvais sens de la direction. Tu vois, là, j'avais envie d'FF. Hein. Et je trouve que dans les jeux Pokémon, quand tu joues en accéléré, très rapidement, tu te perds. Hein. T'as pas le temps vraiment de process ce que t'es en train de faire. What? Je suis pas allé là tout à l'heure, moi. Qu'est-ce que je fous là? Je ne sais pas. C'est une zone, hein. J'ai des repousses. J'adore ça. Merci, Guimat. Ferrokid. Ah, il est stylé. Niveau 70 quoi. Après j'ai des Pokémon qui sont un peu bas niveau, genre j'ai Panard. Non mais par contre c'est trop ce let's play, genre on en peut plus hein. On en peut plus hein. On en peut plus genre vraiment. Genre ça fait 600 milliards d'années que je croise pas un poké stylé, j'en croise un, il fait self-destruct. Genre dites-le si vous voulez pas être dans ma team. Je comprends pas, genre tous mes Pokémon sont safe, y'a aucune raison d'avoir peur. Mais je l'ai pas fait celui. Ah oui j'ai fait, je crois que c'est conclu que j'ai FF. Ouais.
Non, je l'avais face lui. Oula, son nom Angafet, je devais. Ah, lui, il a... les parents, ils lui ont pas fait un cadeau. Hein. Mais. Je vous jure, je n'ai. J'ai rarement vu un mec aller à des endroits sans faire exprès. Comment j'ai fait pour pas tomber là-dessus tout à l'heure en fait? Du coup, faut que je remette un repousse. J'aime pas cette musique, j'ai jamais aimé cette musique. C'est un bait ça. Oh putain, mais je me tape tous les dresseurs du jeu. Professeur Orm qui a pris son café en attendant le raid. Le professeur Orm, bon, il fait rien. Oh, il est trop beau! Oh, mais Mew, il est trop beau! Ouais, vous savez ce que ça donne envie de faire ce jeu? Ça donne envie d'aller regarder dans les dossiers tous les custom sprites. Genre, Neutral, c'est insane, je trouve. Je suis sûr qu'ils ont fait un Pokémon Shadow Infinity Fusion. 100%. C'est par en bas ou par en haut, vous pensez? En fait, j'ai... Non, mais me dis pas que depuis le début, j'avais même pas besoin de le face, ce con. Ah, c'est là. Limité en termes de fusion. Ouais, logique. Wouah, Manioc! Ah, lui, il va être fort à Koh-Lanta. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait discharge. J'ai aucune attaque pour le toucher, lui. Hein. Putain, il est archi beau, en vrai. Bon, on va switch finalement. Migagron, il est immortel de toute façon. Ainsi Dominique Kaku, le craqué. 32e mois, Dominique Kaku. Mais quel homme. Pas ta meilleure celle-là? C'est quoi ma meilleure? Vas-y. Petit full heal. Chaque fois, j'achète 1 milliard de full heal, je dis jamais en fait. Uber Eats. Ah oui. Je sais plus ce que c'était, mais il y avait une vanne. Ah non. Quoi, Drazel? Tri-attaque. Hein. Regarde pas les fusions de Mawai, elles sont toutes achetées. Ah, les fusions de Magneti aussi, je vous jure, c'est une catastrophe. Et je suis témoin pour avoir eu Maniac. J'ai des pubs, suis-je le seul? Ah, malheureusement, bienvenue sur n'importe quel réseau social en 2023. C'est triste. Mais... Je sais pas si c'est possible aujourd'hui un truc ultra connu où t'as pas de pub. Est-ce que ça existe encore hein? Genre un site, tout le monde y va H24, mais genre il y a zéro pub. Bah, si t'as Adblock, il y en a beaucoup. Hein. Oh, l'œuf! Attendez, parce que l'œuf il a quand même une forme bizarre, c'est forcément. C'est un truc stylé, ouais. Nice. Bah super, ça valait le coup d'avoir que 5 Poké pendant 6 heures. Wikipédia. Ah, j'avoue, Wikipédia. Ah, il est trop stylé, lui. Attends, c'est une zone, ça, non? C'est qui, l'autre Poké? Ah, c'est Bichard, mais attends, mais sa full evo doit être incroyable. S'il te plaît, ne fais pas curse, destruction, des trucs comme ça. On en peut plus là. Bon, j'ai plus beaucoup de Pokéball. Hein. Ok, donc c'est Scalproi et Scalé. Et Terra. Skelenox? Non mais par contre c'est chiant pour ton plan. Mais tu vas virer de l'équipe, arrête d'évoluer! Noctuinoir Noir et Scalproi. Noctroi ou Scalp Noir. Scalp Noir c'est quand même pas fou, je vais pas vous mentir, si on peut éviter.
Noctroi, c'est pas fou non plus. Hein. Nocturoi. Ouais, Nocturoi, c'est bien ça. Nocturoi. Ouais, c'est bien ça. Non, mais il y a des potions partout aussi. Attends, mais j'ai pas utilisé Max Repousse, moi. On aurait pu avoir Tyranloom. Quel dommage. J'aurais tellement aimé avoir Tyranloom. Bon, j'aimerais bien qu'on arrive à atteindre Professeur Orm, moi. Hop là, acheter Lodge. Ok, Violet City. On step up. Ça, là, je l'aime bien, cette musique, par contre. Je vais pas prendre ton nouveau poké dans la team. Bah, il fallait que j'ai soit un centre poké quand même. Route 36 in zone ou pas? Attends, Violet City, c'est forcément une zone déjà. Il faut qu'on aille virer notre Tortipousse. Tortank. Carabosse. Carabu. Carabas. Carabaf. Carapuce. Ok. Déposer et tu vas carrément être relâché en fait. Je ne t'aime pas. Tu es moche. Allez, Nocturoi, tu viens dans la team. Mais du coup, Nocturoi, il a la bonne tête ou pas? Je crois que oui. Hein. On veut le corps de Scalproi? Ouais, on veut le corps de Scalproi. C'est parti pour la reine! Ouais, ça aurait été trop simple. Oh, c'était juste ça? Ah oui, ok, j'ai compris. Oui, ok. En gros, il faut que je spamme tous mes boutons au hasard et à un moment il va se passer un truc et ça va être ça, c'est ça. Il y a du vent. Quand je vais là, ça active le vent. Ah, il faut que je fasse. Ok. J'ai pas le droit de tomber en fait. Ok, il faut que j'enlève l'accélération du coup. Ok, c'est archi dur en fait. C'est archi dur cette merde. Il te prend par surprise. La zone, t'as oublié la zone. Non, j'ai pas oublié la zone. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de zones, les gars. Des zones, j'en ai oublié un milliard, mais je les fais pas toutes parce que c'est un peu chiant sinon. Putain, c'est archi dur! Il te le fait de manière complètement random, genre. Des fois, c'était, tu peux juste pas dodge. Mais c'est impossible. Il y a forcément une strat, c'est impossible leur truc. En plus ça a l'air loin donc. Je suis en vitesse normale mais c'est comme c'est random. Ah, c'est pas random en fait, c'est toujours à les mêmes intervalles. Ah mais ça te me pousse que de un truc. J'avais pas vu. Moi je croyais que ça te poussait genre en mode tu vas forcément descendre. En fait ça te pousse juste de 1. De 2 ouais. Ah c'est tous les Pokémon stylés qui ont évolué avec un petit Roucoule c'est ça. Là c'est l'inverse.
Bah ouais, bah je pense que c'est... Ouais, bah, non mais my bad. My bad, non mais franchement, franchement my bad. Oui, j'étais en accéléré, c'est pour ça que je me dis c'est impossible. Mon Vassili va être niveau 100 dans 3 fights, hein, je vous le dis. Il est en full grinding. Tu joues mal. Putain, c'est vrai que je joue mal. J'avoue tout. Peut-être qu'avec un Amaciel et Violite, ça ira mieux, les gars. Oh, Noctu Noir qui évolue. Attends, il a eu un custom sprite en étant petit et en évoluant, il perd son custom sprite. C'est un peu nul. Je suis un peu déçu là. Je suis un peu déçu là. Ah, il faut que j'enlève avec ça. Hein, celui-là. Ah, du Pokémon des abonnés à ma salle, vite. Il y aura pas besoin, je pense. Je pense que tout le monde sait que c'est fort cette merde. Ok. On joue safe. Cette fois-ci, on ne tombe pas. Ok, mais c'est tranquille quand t'as compris. Magcore. Oh, Pidgea! Pidgea, non, pas lui. Pidgea. Alors lui, c'est le plus grand légendaire du monde. Faites gaffe. Après, c'était quoi le truc ridicule? Oula. Ok, j'ai rien. Ça me tue parce que quand il fait Roar of Time, il fait le bruit de Rokul. Merde, je suis en accéléré, putain. Ok. Juste Murphy. Ok. On envoie qui? On envoie Migagron. En vrai, on peut envoyer Tatou, ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu Tatou quand même. Tatou contre Monovol, il est censé être fort. Hein. Je suis Faulkner, le champion de la ligue de je sais pas quoi. Toute famille a masterisé les gens de Brigade de Grandville. J'aime bien Faulkner. Juste parce qu'il y a des Pokémon de type vol. Si j'étais un mec dans Poké, j'aurais une arène de type vol. Rémo Flamme. Wow, il est trop stylé! Il est trop stylé! Ok, attends, tiens. Il m'a fait zéro dégâts. Il devrait y avoir une option dans le jeu où il y a que des custom sprites, genre. Après, c'est marrant. Ouais, c'est pas qu'une... Ce genre de truc, c'est marrant, ça. Putain. Ouais, ça va. Tu vas être para quand même un jour. Bah, apparemment, non. C'est un signe, ça, pour me dire qu'il faut que j'utilise une potion, je pense. Oh, Garfri. Oh, il est pas content d'avoir fusionné Kershakrok. Il est vraiment pas content d'avoir fusionné. Hein. Ça lui fout un énorme seum. Oula. Il va me sortir ça, Fire Force. Kadamori. Merci à toi, Tatou, pour cette perf. Oh, Yelactyl.
Il se tape la tête contre mon tatou, qui est littéralement un casque humain. Ok, le badge Zephyr. Bon, je crois qu'on va enfin pouvoir aller voir Professeur. Oh, mais là, on y est presque. J'ai loupé des morts. Non. T'as loupé la troisième guerre mondiale en termes de morts. On a eu une équipe qui s'est littéralement totalisée. Mais après, c'est pas grave parce qu'on a battu la Ligue, tu vois. Maintenant, on est en pure chilling. Il y a encore une grotte. C'est marrant parce qu'en 2G, je me rappelle pas qu'il y ait autant de grottes en Urn. Gagron là, il faut réapprendre une CT. Dis-moi que c'est un raccourci. Nice. C'est une zone ça. Niveau 54. Ah ouais. Je sais même pas ce que c'est le petit là. Ah si, c'est le phénicier. En vrai, il y a un moyen que ce soit ultra fort ce truc. Hein. Ah si tu tankes, je te prends. Ouais, franchement, why not. Du coup, lui, c'est... Chandelure... Non, putain, Midi Water, c'est bon. Chandelure et... Cisaiox. Non, en français, c'est quoi? Lugulabre. Cisalabre ou... Lugulox, ça va. C'est Mélancolux. Ouais, mais il va évoluer en Lugulabre après. Je vais pas lui donner un nom juste parce qu'il est petit. C'est comme si quand t'étais petit, on t'appelait par un prénom bébé, genre. Bibou. Bah, c'est sympa quand t'es petit, mais effectivement, quand t'as 40 ans. Lugulox. Cette musique, j'ai trop entendu en vrai. C'est vrai que je me dis que les musiques de la 2G, je les ai trop entendues. Attends, mais y'a pas le professeur Pokémon hein, quelque part là? Non, ça fait bizarre d'arriver là et de pas être en early game en fait. C'est très bizarre. Encore une zone. Non. Tu as une tête de con. C'est pas de ta faute hein. Juliana. Putain, à chaque fois il y a des trucs stylés et nous on tombe sur le truc pas stylé. On y est presque. Ok. Oh. Mon nom est le professeur Arm. Oh mais tu dois être Edrio. Mon professeur, mon collègue professeur Shen m'a dit plein de choses super papa pour toi. Il te l'a peut-être dit mais j'ai eu quelques petites informations au sujet d'un Pokémon légendaire, Mewtwo. Mais pourquoi Mewtwo? Je m'en fous de Mewtwo. J'ai déjà Tatou. Je l'ai déjà en fait, mais en mieux. Ah et du coup il faut que je retourne à Kanto. Et tout ça pour ça? Tout ça c'est juste pour aller croiser Mewtwo genre, alors que j'ai déjà. Attends mais je peux avoir un starter? Rosil. Non. Ah mais j'ai déjà Tatou. Non vraiment dis-moi qu'il y a au moins un truc bien. Mais j'ai déjà Panard. Le retour de Panard, je vais avoir un deuxième Panard. Non mais attendez, mais c'est quoi ce trio maléfique là? C'est la première fois de ma vie, j'ai trois starters, je vais en prendre aucun. C'est comme si genre... J'étais au début de Pokémon Diamant et Perle et le mec me fait... Voulez-vous Tortipousse? Tortipousse ou Tortipousse? Mais je quitte le jeu en fait. Ah, on va prendre... On va prendre lui parce que bon, peut-être qu'il évolue un truc bien. Hein. Je sais même pas ce que c'est, Rosil.
Je n'ai pas la moindre idée ce que c'est. Oh non, c'est Lamantine. Oh, Lamantine Roserad. Lamorade. Ou Rostine. Lamantine. Rostine. Ouais, Rostine. Gratuit envers les fans de Tortipouce. Bon, normalement, à ce niveau-là, je suis plutôt safe. À la limite, je vais recevoir un MP. Bon, ben voilà. Bah écoutez, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bon, est-ce qu'on continuera cette aventure? Je ne sais pas. Est-ce que vous préférez que je relance un nouveau let's play ou vous préférez qu'on continue? C'est vous qui décidez, franchement. Petit sondage dans le chat. Peut-être que vous préférez que je relance un truc différent. Let's play Pokémon RPG. Non, non, après je peux faire des let's play genre Kingdom Hearts 2, tu vois. Non, évidemment Pokémon. Il reste une session sur ce let's play, moi. Bah après, sinon ce que je peux faire c'est jouer en off jusqu'à raid et comme ça on voit en live ce que c'est, mais... Il n'y a plus de modo. Ah mais oui, putain, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de modo. Enfin, il y a Streamoustache, mais du coup. Oh, le sondage. En fait, à chaque fois que je commence à écrire un sondage, le sondage il pop. Un live pour expérimenter des fusions de fous, ça serait cool. J'avoue, ouais. Let's play Showdown. Bah, le truc, c'est que le mode histoire de Showdown, il est pas... Enfin, c'est pas qu'il est pas intéressant, mais c'est un peu prévisible, quoi. Les personnages sont pas horribles, hein. Je dis pas le contraire. Mais... Je sais pas. Je suis pas non plus transcendé, quoi. On veut le random map sous le silver. Mais ça, on le fera pendant le Battle 4. J'ai prévu de le refaire, mais pendant le Battle 4. Qui se déroulera mi-avril ou un truc comme ça. À une époque, c'est vrai que t'avais fait un Nuzlocke ladder. C'était cool ça, le Nuzlocke ladder. Je pourrais le refaire en EG. Hein. Je pourrais complètement le refaire. Et du coup, demain, de toute façon, on se revoit en live. Hein. Matin et soir. Ça va être cool. Prochaine vidéo, probablement mardi. Concept sympa plus une vidéo qui demande 2200 heures de montage. Bah, ce serait cool d'avoir des monteurs en vrai, mais le problème, c'est que les monteurs, ça coûte 500 000 euros. J'ai déjà eu des gens qui m'ont proposé de faire des montages, mais... En fait, moi, à chaque fois, je me rends compte que je sais pas comment les mecs qui font pas genre 3 milliards de viewers, ils font pour payer des monteurs. Incompréhensible. Ah, vous voulez que je continue Pokémon Fusion? Ok. Bah, j'y réfléchirai du coup. Je pensais vraiment arrêter, mais si vous voulez vraiment que je continue... C'est quand même 65% quoi. C'est beaucoup 65%. C'est quoi le mode histoire de Showdown? En gros, c'est un mec un peu perdu dans la vie qui, un jour, essaye de monter dans l'échelle sociale. Un peu comme dans Bel Ami. Mais malheureusement, il a vraiment pas de chance. Il a vraiment pas de chance. À chaque fois qu'il tente des trucs, ça marche pas. Les mecs en face, ils lui font des énormes coups bas. Et le mec, il s'en prend plein la gueule. Il se fait insulter en boucle. Du coup, en fait, un jour, il se dit, ok. Bah, moi aussi. Moi aussi, je vais dire... S'il y a que le mal pour gagner sur le mal, je vais devenir le mal. Du coup, du jour au lendemain, c'est lui qui fait des coups bas à tout le monde. Il devient une énorme merde. Il répond plus aux appels. Ça devient un con, quoi. Et d'un coup, ça devient... Voilà, il monte dans les échelons, etc. Et à la fin, on se rend compte que c'est le président. Et que toute sa famille est morte. Il a gagné, mais à quel prix? Très belle histoire. Très belle histoire. Mais un peu prévisible.
C'est un scénario de Guillaume Canet. Ouais, exactement. Bon, allez, gros bisous, les gars, du coup, à demain. Je vais pas me coucher trop tard, je pense, pour pouvoir stream demain. N'hésitez pas à checker les dernières vidéos, les gars. Me laissez pas bide. Bisous, bisous. Cette musique me met tellement bien, j'ai envie de jouer, j'ai envie de lancer Pokémon Crystal là, putain. C'est fou parce que on a beau dire les remakes de la 2G sont incroyables, à chaque fois que je joue au remake de la 2G, moi ça me donne qu'une seule envie, c'est de relancer Pokémon Crystal. Je suis pas fan quoi, je suis vraiment pas fan des remakes, mais je pense que c'est trop, parce que enfin c'est trop que soit le côté nostalgique, soit j'aime trop la musique 8 bits, etc. Genre. J'aime pas trop l'ambiance new gen. Et pourtant, j'adore la 4G, tu vois. Diamant et Perle, j'adore. C'est dans le style 4G. Mais...